Hey, salut Mathieu! Hey, salut John! Ça va? Ben oui, toi? Yes! Pour le 12e épisode de la deuxième saison, on a un invité chroniqueur, dans le fond. Il fait partie de l'équipe du match ultime et dans l'invité aussi de l'épisode Le match ultime. Donc, il fait partie de l'équipe. Et à l'avenir, il va faire partie de l'équipe aussi. Donc, ça va être Dom Tanguay, un fan de l'Avalanche du Colorado. Eh Oh, oui, salut. portant fièrement mon gilet de Mekanen. Ça va bien, mon Dom? Ouais, ça va bien, là. Samedi soir tranquille, là. Ah, c'est correct, ça. C'était un bon moment pour faire le podcast, là, je trouvais. Parfait, ça. Ouais. Comment ça va te présenter? Ben, c'est ça. Moi, c'est ça. Ben, mon vrai nom, c'est Dominique Tanguay, là. Donc, Tanguay, bon, vous voyez un peu le jeu de mots là-dedans, là. C'était le nom que je m'étais mis sur un vieux jeu Nintendo 64, puis je l'ai gardé. Fait Ah, que, ben, c'est ça. Moi, j'ai 46 ans, donc je suis le vieux de la gang, peut-être, là. Puis, je joue au hockey depuis que j'en ai trois. Puis, j'ai toujours été passionné de hockey puis de sport en général. C'est vraiment mon père là, qui m'a montré les sports, là. Il y avait une petite patinoire quand j'étais jeune. Puis, j'ai commencé à jouer au hockey puis j'ai embarqué là-dedans. Mais, tu sais, mon père, il aimait le football, il aimait le soccer, il aimait le baseball. Il connaissait moins le basket, mais, tu sais, j'ai vraiment entré dans les sports avec mon père. Puis, tu sais, c'est resté toute ma vie là, jusqu'à présent. Fait que, moi, ben, j'ai une job de bureau, là. Je travaille pour une compagnie bancaire, dans le fond, là. Puis, ben voilà, là, c'est quand même une bonne job, là. Puis, je continue à écouter le hockey, de faire du sport. Puis, ben, je suis père de deux enfants qui sont rendus des ados, là. Donc, je suis plus avec la mère, mais je m'entends bien, là. Donc, voilà, je me suis refait une blonde après. Donc, une petite vie quand même tranquille, là, mais le sport toujours présent. J'en fais, j'en écoute, puis... Je joue au PlayStation ou des jeux de hockey aussi, des affaires de même. Fait que c'est pas mal, toujours été présent dans ma vie. Puis c'est pour moi le meilleur antidépresseur puis le meilleur divertissement là, qu'on peut pas avoir. Là. La télé, moi, j'écoute pas ça, sauf si c'est du sport, parce que sinon, moi, des annonces, ça m'énerve. Là. Fait que, tu sais, du sport, on les tolère parce qu'on veut le voir live, là. Mais sinon, la télé, là, c'est comme plus bien ben intéressant. Fait que. C'est un peu ça là, pour me présenter vite, vite, là. Puis, tu sais, je suis arrivé sur TikTok à faire des petites vidéos. Je veux dire, au début, c'était plus mes jeunes qui écoutaient ça. Puis, à un moment donné, ben, vu que j'avais fait une patinoire en 2020 parce que mon gars ne pouvait plus jouer au hockey, ben, je me suis retrouvé à y aller souvent moi aussi. Puis là, je commençais à faire des petits tricks. Puis, ah, ben, crème, je suis capable de faire ça, même si j'ai cet âge-là. Puis, je commençais à filmer des petites vidéos. Puis là, ben, de fil en aiguille, à un moment donné, là, j'ai parlé plus de hockey aussi pour faire des vidéos où je parlais juste de mon opinion, ces choses-là. Puis j'ai eu un gros pop, là, c'est quand l'Avalanche a gagné en 2021. C'était les 10 dernières secondes avant que ça soit officialisé, là. Puis là, je faisais le décompte, là, puis j'ai eu une réaction là, assez de joie intense. Quand ton équipe gagne la coupe, c'est quelque chose. Puis là, Ah oui. j'avais beaucoup de vues. C'est qu'après ça, ben, ça m'a comme mis une espèce de fond de followers, puis là, ça m'a permis de continuer. Puis là, à cette heure, ben, je diversifie un peu, là, mais voilà. C'est un peu ça, ma petite histoire. Puis je t'ai rencontré ces entrefaits, là, avec les vidéos d'hockey, puis ben voilà. Fait Parfait, que là, ça. je suis là maintenant, puis j'ai embarqué dans le match ultime, puis j'ai fait un article jusqu'à date, mais je vais en faire d'autres, là, puis... Je vais penser à mes sujets là, puis je devrais en faire quand même assez régulièrement là. J'aime bien ça écrire là, mais fait que pourquoi pas ça. Voilà. Parfait, ça. Ouais. On va commencer par la première question. Je vais la commencer. Parlant d'articles de chronique, c'est quoi tes projets pour tes articles? C'est sûr que je vais parler de l'avalanche des fois, mais pas juste de l'avalanche. Mais je ne veux pas juste parler du Canadien parce que, un, je les déteste pas, mais c'est vraiment pas mon équipe. Puis je pense que c'est un sujet qui est archi parlé au Québec. Donc, tu sais, je me dis, si je veux amener quelque chose de différent, si je veux amener, tu sais, d'autres angles, ben, tu sais, je vais quitter un peu d'être centré sur le Canadien, là. Puis, tu sais, je vais essayer aussi de dénicher, là, des histoires ou des petites choses que le monde ne pense pas nécessairement de voir. Tu sais, je lis beaucoup aussi les médias en anglais, ça fait que des fois, ils traitent les choses différemment, là, puis on apprend sur d'autres villes, là, parce que
justement. Là. Ça fait que ça va être probablement ça, là, mon angle d'approche. Mon premier article, je parlais de ma cœur, mais en fin de compte, j'ai débordé sur les avantages d'avoir une bonne défensive pour une équipe gagnante. Donc, je pars d'un point qui est peut-être dans mes préférences, mais après ça, j'extrapole sur le hockey en général ou sur le sport en général. Puis, j'aimerais ça parler d'autres sports aussi que le hockey. Là. Je suis quand même le football. J'essaie de suivre le basket. Moi, mon équipe, c'est les Saints au football. Au basket, je ne sais pas trop, honnêtement. Là, c'est d'année en année, je change un peu. Je n'ai pas encore eu un coup de foudre pour une équipe. Là. Mais au football, c'est vraiment les Saints. Puis, ils ont deux victoires en deux. Là, ça fait qu'ils n'ont pas une grosse division. Ça fait que ça, je vais peut-être en parler un petit peu là, de football américain là, parce que c'est un sujet là, qui peut m'intéresser. Puis, c'est un sujet aussi que si je fais un article, je vais le fouiller. Je vais lire puis je vais apprendre plein de choses là-dedans parce que des fois, là, on n'a pas le temps de tout lire. Là, puis, un article, c'est un bon moyen là, d'approfondir un sujet. Puis après ça, tu en apprends plus puis tu le partages puis c'est cool. Là, exactement. Puis moi, il y a une chose que j'aime bien des connaisseurs hockey puis de la communauté hockey, c'est qu'ils s'intéressent à d'autres sports. Ça, c'est vraiment le fun puis c'est vraiment intéressant, honnêtement. Là. Ouais. Ouais, parce qu'il y a une différence entre l'amateur de hockey slash du Canadien, là, puis je veux pas bâcher personne, puis l'amateur de sport. Tu sais. Moi, j'ai un cousin à un moment donné qui est je m'entends bien avec, mais il vient chez nous, puis c'était le Canadien en série il y a une couple d'années. Là, on écoute il venait voir tous les matchs chez nous, puis là, une fois que le Canadien est éliminé, je disais, hey, là, il y a une bonne série, je ne me rappelle plus c'était laquelle, mais peu importe, là. Puis là, je disais, tu viens-tu voir ça? Je disais, oh non, le Canadien est éliminé, moi, j'écoute plus ça. Fait que, tu sais, j'avais trouvé ça plate parce que moi, à part, tu sais, peut-être pas Columbus contre les Coyotes, là, peut-être que je vais me trouver autre chose à faire, mais tu sais, une game d'hockey, je trouve ça toujours intéressant, puis. Il faut s'intéresser au sport, pas juste à notre équipe préférée, à mon avis. Donc, puis pas juste au hockey non plus, parce que tu sais, il y a plein de. C'est un monde là, tellement intéressant. Donc, ça fait que tu n'es pas juste amateur d'une équipe, mais tu aimes le hockey ou tu aimes le sport. Puis on peut tellement parler. Tu sais, tu t'assis, là, tu débouches une bière avec deux de tes chums, tu peux parler de sport là, toute la soirée. Là. Mais si tu as de quoi à dire, là, bien entendu, là, puis tu connais un peu ton sport. Fait que c'est pour ça que c'est le fun de la communauté, justement, là, qui ne s'intéresse pas juste à un point là, puis, de ce côté-là. C'est vrai. On va passer à la prochaine question. Vas-y, Mathieu. Justement, tu as parlé de football. Justement, c'est dans mes questions. J'ai commencé à suivre le football l'année passée. Pour mon équipe, c'est les Broncos. OK. Une équipe un peu plate à regarder, mais je me demandais, selon, si, je ne sais pas si John suit un peu le football, mais selon vous, c'est qui les équipes qui peuvent surprendre cette saison? C'est une bonne question. Puis, tu sais, je n'ai pas encore tellement suivi le début de la saison pour répondre. Là. Par contre, je pense que les Dolphins, ils ont un bon début de saison, puis ça fait plusieurs années là, qu'ils font pas grand-chose. Ça fait que ça pourrait être une équipe qui surprend parce que une équipe qui a des années de misère, à un moment donné, ils se ramassent des choix, ils font des échanges, puis ils finissent par avoir une équipe gagnante. T'sais, les dynasties là, des Patriots, c'est terminé. Les Jets qui perdent Rodgers. Il y a peut-être une opportunité là, pour des équipes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu dans le top là, de remonter. Puis les Dolphins, je pense qu'ils pourraient surprendre. Puis mes Saints, je ne pense pas qu'ils peuvent surprendre, mais je pense qu'ils vont faire les séries cette année parce que leur division n'est pas super forte. Puis ça, je vais trouver ça cool parce que si je peux vous conter une histoire courte, là, moi, j'aimais le football. Mais vu que j'avais pas d'équipe dans le temps, moi, ça me prend comme une équipe pour me motiver à regarder un sport. Puis c'est vraiment quand il y a eu Katrina, là, il y a comme eu un buzz autour des Saints parce que les gens se sont réfugiés dans le dôme. Puis là, ben, je trouvais que c'est une belle histoire. Puis après, ils ont gagné un Super Bowl. Fait que, c'est comme devenu mon équipe comme ça. Fait que, voilà. Fait que j'aimerais bien ça qu'ils se rendent en série parce que c'est rendu mon équipe, mais je pense pas qu'ils puissent se rendre bien loin. Là. Mais s'ils peuvent se rendre en série, ben, je trouverais ça cool. Mais les Dolphins pourraient surprendre, à mon avis. Mais je vais plus me plonger dans la saison là,
bientôt, là, mais je suis les résultats, là, mais je n'ai pas encore eu le temps d'écouter une game, là, puis d'écouter les commentateurs, puis de lire là-dessus, là, honnêtement. Je pense pas que mes Broncos fassent les séries, sont 0-2. Semaine passée, je jouais contre les Commanders, ils ont choqué un avance, je pense qu'ils venaient genre 17-3, ils ont perdu 35-33. Mais les Broncos, t'es fan des Broncos depuis combien de temps? Tu as dit 2 ans, c'est ça? À peu près deux ans, ouais, parce qu'avant, je changeais d'équipe à chaque année. J'étais fan des Chiefs quand ils ont gagné, l'année qu'ils ont gagné le Super Bowl. Après ça, l'année d'après, j'étais fan des Bengals, mais ils ont perdu le Super Bowl contre les Rams, je pense. Ouais. Les Chargers. Mais là, depuis 2 ans, c'est vraiment. Les bonnes années des Broncos. Mais les Broncos sont dans quel état, là? Ils sont en reconstruction ou. Ben, ils sont pas en reconstruction, là. Ils sont allés chercher Russell Wilson, puis. Ils ont bâti Russell Wilson, c'est ça? Le QB, en tout cas. Ils essayent de bâtir quelque chose, mais ça marche pas vraiment. Le dernier coach a duré 1 an. Ils l'ont renvoyé, puis le nouveau coach fait pas l'unanimité chez les Broncos. Peu importe le sport, le head coach, c'est un job ingrate. Là. Ah ouais. Tu peux perdre ta job assez vite si les résultats sont. C'est pas la faute du coach. Là, la ligne défensive des Broncos, ça fait dur. Là. Honnêtement, des fois, dans des équipes de sport, là, quand une équipe va plus ou moins bien, là, des fois, c'est pas toujours le coach le problème. Des fois, c'est les joueurs qui veulent pas jouer ou des fois, c'est la direction que ça va mal. Ouais. Ça, c'est juste que changer tous les joueurs, c'est dur. Puis des fois, ils changent le coach en espérant qu'il amène une nouvelle vibe pour que les joueurs se rallient un peu. Là. C'est un peu l'élément facile à bouger, mais effectivement, là, c'est rarement toute la faute du coach. Là. On va s'entendre là-dessus. C'est ça. On va passer à la prochaine question. D'où vient ton amour pour le hockey? On a parlé un peu au début, mais écoute, c'est presque inné, là. J'étais pas en maternelle, là. Je devais avoir 3 ans, puis mon père, il a fait une petite patinoire en arrière de chez nous, puis il m'a montré à jouer au hockey un peu. Mon père, il était goaler dans des petites ligues de garage, là. Puis là, il m'a montré à jouer au hockey un peu, puis là, ben, j'aimais ça, là. J'ai des flashs, là, même de ça. Puis là, ben, j'ai commencé à faire, ça s'appelait pas Mag dans le temps, mais l'équivalent de Mag. Puis là, ben, j'étais toujours content d'aller jouer au hockey. Puis j'ai commencé à l'écouter, puis c'est drôle parce que dans le temps, c'était à télé, hein, c'était pas tous les matchs qui étaient télédiffusés, là, c'était 2 par semaine, là, puis des fois 3, là, ça dépendait, là. Puis comment que j'ai commencé à prendre pour les Nordiques qui sont maintenant devenus l'Avalanche, c'est vraiment, on écoutait un match avec mon père, mon frère. Puis mon père, il m'a dit, pour quelle équipe tu prends, toi, Dominique? J'ai dit les Bleus, parce que je trouvais le gilet beau. Là, tu sais, j'étais trop jeune, tu sais, pour avoir une opinion plus poussée que ça. Mais aujourd'hui, c'est devenu les Bleus, c'est mon équipe, là, puis j'y tiens à cœur. Ça fait que c'est commencé comme ça. Puis après ça, ben, tu sais, j'ai toujours joué au hockey. J'ai toujours suivi, quand les Canadiens, c'était les bonnes années du Canadien, ça fait, tu sais, on l'écoutait quand même à la télé, parce que c'est ça qui passait. Quand les Nordiques pouvaient se mettre à gagner, c'était cool aussi. Fait que c'était une tradition là, d'écouter le sport avec mon père. Puis quand c'était série, même ma mère, mon frère venait voir. Puis, tu sais, c'était dans le temps, on n'avait pas les Netflix, on n'avait rien. Donc, tu sais, un match de hockey le samedi soir, c'était un événement intéressant. Là, ça rassemblait le monde. Puis, là, ben, c'est ça. Ça fait que ça a comme jamais lâché. Là, ça fait que c'est venu vraiment naturellement. Là. J'ai aimé le feeling du sport, j'imagine, à 3 ans. Puis après ça, ben, j'ai juste pas arrêté d'aimer ça. Là. Ah, c'est correct, ça. Ouais. C'est la même chose pour moi. Ouais. Moi, ça a venu plus tard, par exemple. Mon père. Moi, honnêtement, ça a venu plus tard, par exemple. Ça a venu quand j'étais ado, dans le fond. Je sais que j'avais commencé à suivre un peu le hockey un peu quand j'étais jeune, mais je sais pas passionné comme quand j'ai vieilli. J'ai plus commencé à écouter le hockey, j'avais environ 15 ans, grâce à une annonce Facebook, là, ben, c'était sur Facebook, on entendait parler Canadien-Boston, Canadien-Boston, Canadien-Boston. Puis moi,
J'ai appris pour les Browns, hey, pour narguer le Canadien. Puis, je sais que j'ai pris pour les Browns pendant 3 ans parce que j'ai remarqué que c'était pas l'équipe qui me convenait, dans le fond. Puis, la raison pourquoi est-ce que j'ai commencé à aimer les Oilers, ben, c'est parce que j'avais checké voir les Nord-Américains. Quand que c'était Connor McDavid, là, ben, Connor McDavid, je l'ai regardé jouer. Je le trouvais vraiment bon. Fait que j'ai commencé à suivre les Oilers d'Edmonton. Puis, en même temps, je prenais pour les Bruins de Boston. Fait que, il y a eu un anneau, j'étais Bruins Oilers. Mais, à un moment donné, j'ai comme vu que les Bruins de Boston, quand ça a commencé à aller mal, je me suis dit, les Bruins, pour moi, c'est fini. Mais, depuis ce temps-là, j'ai commencé à suivre les Oilers. Hein. Ben, les Oilers, c'est une équipe quand même le fun à suivre. Là. Moi, John Mitchum, il prend pour les Oilers, puis quand l'Avalanche les a éliminés, quand ils ont gagné la coupe, tu sais, j'ai dit, garde, si les Oilers avaient gagné, là, j'aurais été 2 jours au Bougon, mais après ça, j'aurais été avec toi, là, puis tu sais, j'aurais pris pour les Oilers parce que, ben moi, oui. À mon avis, un joueur comme McDavid, il faut qu'il mette son nom sur la coupe à un moment donné. Là. Il est juste Exactement. Il est trop over, il est trop là, un joueur exceptionnel pour pas qu'il mérite ça. Là, tu sais. Exactement. Puis en revenant là-dessus, moi, c'était pareil. Quand c'était Edmonton, Colorado, tu checkes ça dans les séries entre Edmonton puis Colorado, puis Edmonton puis Vegas. C'est drôle, hein? Quand Vegas sont sortis d'Edmonton, on dirait que j'ai tellement eu une haine envers Vegas. Je voulais tellement que Vegas se fasse éliminer, mais ça n'a pas été le cas. Tandis que quand c'était Colorado qui ont sorti les Oilers, j'étais déçu quelques jours, mais en finale de la Coupe Stanley, quand c'était Colorado, Tampa Bay, ben, j'étais Colorado 100%. Là. Oui, ça c'est sûr. Je voulais tellement que Colorado gagne ça, là, la Coupe. Oui. Là. Ouais, c'était cool parce que moi, ben, je me rappelle de celle d'avant, là, tu sais, j'étais jeune adulte, là, quand Raymond Bourque, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'image, là, vous êtes peut-être trop jeune, mais oui. Raymond Bourque avait joint l'Avalanche juste 1 an pour gagner la Coupe, parce qu'il avait été des Bruins toutes ces années. Puis là, il avait gagné la Coupe, puis Sakic, avant de la lever en premier, il l'a donné direct à Raymond Bourque, là, en 2001. Hey, c'est tout un moment de hockey, j'ai vu ça live, là, c'était fou, là. Fait que, ben oui. Ça faisait 20 ans, moi, que mon équipe n'avait pas gagné la coupe. Fait que c'était cool en Christ. Ça, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr. Là. Ouais. Puis, toi, t'es trop jeune, là, mais t'as pas connu les grandes années de. Moi, j'ai vu Wayne Gretzky jouer, là, quand même. Là. Tu sais, j'ai vu les Oilers. J'étais jeune, mais j'ai quand même. Tout le monde parlait de Wayne Gretzky, là. Tu sais, c'était. Mm-hmm. C'était soit Guy Lafleur ou Wayne Gretzky qu'on voulait être. Quand on jouait au hockey dans la rue, là, on disait « Je suis Wayne Gretzky, ben moi, je suis Guy Lafleur. » C'était les gros héros de l'époque. Là. Fait que, les belles années des Oilers. Puis, ça serait cool qu'une équipe canadienne regagne la coupe, mais les Oilers, je me semble qu'ils mériteraient avec le line-up qu'ils ont. Là. Ce serait cool. Exactement. Là. Puis, d'après ce que j'ai su, c'est que les Oilers d'Edmonton, c'est l'équipe canadienne la plus proche de la Coupe Stanley. Fait que, ça le fun si elle gagnerait, là, en plus. Ouais. Des fois, j'ai déjà pensé que les Maple Leafs étaient proches, mais ils sont tellement choqueux qu'on ne peut plus les compter comme une équipe qui a des chances de gagner la Coupe parce qu'en série, ça floppe tout le temps. Là. Fait que moi aussi, je pense que les Oilers, c'est l'équipe la plus proche de gagner la Coupe, une équipe canadienne, là, je veux dire. Là, c'est celle qui s'en rapproche le plus, certainement. Exactement. Mais d'après ce que j'ai su, c'est que Toronto. En série éliminatoire, là, quand il choquait tout le temps, il choquait, hein. Ben, quand Kyle Dubas a été agressif sur le marché, oui, Toronto a été fort, mais ça a duré juste une ronde. Là. Ils ont été bons la première ronde, mais en deuxième ronde, ça a floppé total. Là. La honte, c'était quand même quand ils menaient 3-1 puis contre le Canadien, puis se sont fait remonter. Là. Ouais, c'est... Ben, ça doit rester dans la tête des joueurs, là. Mm-hmm. Ah ouais, et puis en plus, le match qui a fait 3-2, c'était allé en prolongation. Là. Puis Galchenyuk avait fait une passe de jambon, puis ça a donné le but du Canadien. Là. C'est que,
On dirait qu'à ce moment-là, le mental du côté des Maple Leafs était cassé, puis justement, là, ils se sont fait partir. C'est quand même épique, pareil. Ah ouais, c'était vraiment plat. Mais parlant de ça, je sais qu'en 2023 aussi, dans les Panthers de la Floride, je sais qu'il y avait une série que j'avais trouvée très triste quand Floride avait gagné. Puis il y avait une série que j'avais trouvée très drôle quand Floride ont gagné. La série que j'avais trouvée triste, c'était contre Boston. Parce que tu voyais que Boston avait... Il avait ajouté plein d'atouts pour essayer de tout faire pour remporter une Coupe Stanley. Puis là, tu vois qu'ils ont perdu contre les Maple Leafs de Toronto, puis se sont effondrés. C'est vrai que se sont tous donnés en saison régulière pour tout ça pour perdre en première ronde. La série que j'ai trouvée la plus drôle quand Floride ont gagné, c'était contre Toronto. Pourquoi? Parce que Toronto, quand ils avaient gagné la série contre Tampa Bay, ça disait tout le temps « We want Florida, we want Florida, we want Florida ». Oui. Mais ils ont mangé tout un karma, là. Quand on dit, là, faut pas jinxer, là, les fans de Maple Leafs, ils ont jinxé leur équipe comme « Tu peux pas le faire mieux que ça, là. » Faut rester humble et fermer sa gueule, là. Parce que, exactement. Les Panthers, il y avait une équipe. Faites attention à ce que vous souhaitez. Ouais, exactement. Ils l'ont eu. Ben, allez-y. Je voulais juste dire, tu sais, la Floride, il y avait une équipe étonnante, là, une équipe de série, une équipe qui travaillait, qui faisait mal d'un coin. Tu sais. C'est jamais facile à battre les équipes de même. Il ne faut pas juste que tu additionnes les talents individuels. Il faut aussi que tu vois le jeu d'équipe comme ça, là, qui peut être vraiment. Surtout en série où c'est plus permissif, là, puis les joueurs jouent tout le temps avec des bleus, puis ils ont mal partout, là, ben. Exactement. C'est fait que c'était pas. Il voulait pas tant que ça, finalement, je pense. Non! Ben, je sais que je vais me faire lancer des rushs, mais. Je veux pas te décevoir, Mathieu, mais. Je sais qu'il y a aussi les fans de Toronto qui sont pas humbles, mais les fans du Canadien aussi, ils étaient pas humbles aussi en 2021. Rappelez-vous, en finale de la Coupe Stanley contre le Lightning, quand le Canadien perdait 3-0, ils se tendaient à dire « c'est fini, c'est fini, c'est fini ». Mais quand ils ont remporté le match 4, ben là, ça disait tout « ça sent la Coupe ». Moi, j'avais trouvé ça bizarre, par exemple. Oui, t'as peut-être gagné un match en finale de la Coupe Stanley, mais reste humble, puis va pas crier « ça sent la Coupe ». Oui, surtout que cette année-là, en 2021, le Lightning n'avait pas perdu deux matchs de suite, ni en 2020 non plus. Là. Ça faisait genre 7 ou 8 séries de fil qui ne perdaient pas deux matchs consécutifs. Oui, c'est ça. Vasilevski était un monstre après une défaite. Là. C'était un moi, je me suis dit, quand on a perdu le premier match, là, en finale, je me suis dit, c'est terminé. Ben, c'est sûr. Pas parce que j'étais défaitiste ou rien, là, mais un petit peu, mais je me disais, il faut qu'on gagne le premier match. Parce que Tampa Bay perd pas deux matchs de ville. Non. Je me disais, si on gagne le premier match, on perd le 2, on gagne le 3, on perd le, tu sais. Mais là, on a perdu le premier, je suis comme déjà là, c'est fait, là. Ah, c'est sûr, là. Ouais, le Lightning avait toute une équipe, mais tu sais, le Canadien avait été surprenant. Là. Moi, j'avais été surpris qu'ils sortent Vegas, là. Vegas qui venait de sortir l'Avalanche. Qui venait de sortir l'Avalanche, moi, je suis ben non, c'est terminé pour le Canadien, mais tu sais, je pense que Carey Price a eu des grosses séries, sauf que devant Vasilevski. Son effet est un peu annulé parce que l'autre aussi, là, il arrêtait tout. Donc là, à ce moment-là, c'est les joueurs en avant là, qui font la différence. Là, puis ça a été le cas. Il arrêtait tout, puis en plus, il y avait une meilleure défense en avant de lui. Pas que Price aurait gagné la coupe avec le Lightning, mais tu sais, Vasilevski avait une meilleure défense en avant. Donc, exactement. Ça, c'est clair que Tampa Bay. Il était encore sur le hype. Si Tampa Bay avait été brûlé comme en 2023, puis que le Canadien aurait affronté Tampa Bay en finale de la Coupe Stanley, avec une équipe autant brûlée comme Tampa Bay,
Une équipe comme Tampa Bay en 2023, c'est clair que Montréal aurait gagné. Le Canadien aurait gagné, ouais. Ils ont perdu beaucoup de profondeur. Ils ont perdu de leur troisième ligne de 2021. Elle a fait mal aux Canadiens. Goodrow, Coleman, Gourde. Exactement, là. Ouais, fait très mal aux Canadiens. Au Lightning. Il avait plus en 2023 que ça paraissait. Ah oh, oui. Puis c'est sûr qu'en même temps, quand tu fais... les finales de la Coupe Stanley, souvent, à tantôt que tu vas être fatigué. Là, les joueurs, c'est des humains, c'est pas des robots. Là. Ouais, c'est, je voyais certaines personnes dire « Ah, le Lightning est fini, le Lightning, ça va être la reconstruction. » Oh, ça fait 3 ans, 4 ans de fil qu'ils vont en finale. C'est, ouais, sûr, c'est sûr qu'ils sont brûlés. Là, ils ont eu un été complet pour se reposer. Ils vont faire peur prochaine. Même s'ils ont moins de profondeur, encore une fois, que quand ils ont été en finale, 2 ans, 3 ans de fil, ils font quand même très peur encore. Là. Tant qu'ils ont Kucherov, Edmund, Stamkos puis Vasilevski, d'après moi. Là. Et puis Point aussi. C'est un bon corps, comme on dit. Il y a bien des équipes qui n'ont pas 4 joueurs de ce niveau-là là, comme corps d'équipe. Là. La seule autre équipe qui a un aussi bon, mettons, corps 4, c'est l'Avalanche, justement. Oui, ben l'Avalanche, il y a peut-être, ils n'ont pas Vasilevski. Georgiev, il a bien fait c'est l'année passée. C'est la seule affaire qui lui manque. Exactement. Ouais. Georgiev, il est peut-être assez bon pour gagner une coupe comme Kuemper a fait, mais il ne fera pas les miracles que Vasilevski peut faire. Non, exactement. C'est là où le Lightning, c'est sûr qu'ils vieillissent un peu, mais c'est là où le Lightning, ils ont un avantage. Mais sinon, c'est sûr que l'Avalanche, je checkais les cotes pour les paris sportifs, ils sortent. Puis là, l'Avalanche est favorite pour gagner la coupe. Puis les Oilers sont là aussi. Les Maple Leaf, puis les autres, je ne m'en rappelle plus. Là. Mais c'est sûr, c'est juste des tout peut arriver durant la saison. Là, mais je pense que ceux qui font ces cotes-là, ils font pas ça d'une soirée. Là, ils analysent tout, puis ils checkent, puis ils essayent d'avoir quelque chose de réaliste. Donc, je pense quand même que l'Avalanche va avoir une bonne run cette année. Là, puis, je trouve qu'ils ont fait quelques petits moves intéressants. Là, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Ouais. Dont Jonathan Drouin, ça. Ouais. Surtout Thomas Tatar. Ouais, Thomas Tatar aussi. Ça, je ne m'attendais pas pantoute. C'était drôle. Là. Non. Oh, c'était drôle, ça. Quand j'ai envoyé ça sur TikTok, c'était drôle en tabarouette. Ouais, ouais, c'est ça. Tu dis, Tangai, il va être de même bientôt. Je l'ai trouvé bonne en crime. Thomas Tatar. Ben, tu sais, là, en prévision de la saison, ils le mettent sur le troisième trio. À côté de Miles Woods et Colton, ça veut dire, moi je pense qu'il peut tirer son épingle du jeu en mettant un dedans une fois de temps en temps. Là, il n'y aura pas trop de pression. Là, personne ne s'attend à ce qu'il soit le meilleur attaquant de la balance, mais s'il peut faire des bons chiffres et en mettant une fois de temps en temps, là, faire un 40 points, mettons, là, ça pourrait bien aider la balance parce que l'année passée, je pense que c'est ça qu'ils auront. Nuit, il y avait une ligne, puis les autres lignes, là, ils n'ont pas arrivé, il n'y avait pas assez de profondeur. C'est ça, justement, je m'en allais dire, le départ de Nichushkin en plein milieu de la série, ça a fait mal. Ça, j'étais vraiment en crise, sérieux. Puis, en tout cas, j'ai appris l'équipe de sur Twitter. Pardonné. On ne sait pas trop ce qui s'est passé encore. L'équipe, il a pardonné, ça fait que, OK, on va y aller avec, mais. Mais moi, je me mettais à la place de ses coéquipiers. Là. T'étais en série, puis là, tu te retrouves dans cette situation-là. Bon, mais ça a l'air c'est une situation familiale, c'est compliqué. J'avais lu des rumeurs, là. J'ai aucune idée à quel point c'est vrai, là, mais il y a quelqu'un qui parlait, c'était une affaire de drogue puis de prostituée russe, puis je sais pas quoi. Là. Ben, ça a l'air que la fille, la fille était vraiment pétée, là, puis peut-être pas juste sur l'alcool, là, tu sais, il y avait peut-être quelqu'un, mais c'est pas Nichushkin qui l'avait drogué ou quoi que ce soit, là, mais il y avait peut-être une petite poudre dans son verre, là, parce que sérieusement, elle était pas juste sur l'alcool, là. Le médecin de l'Avalanche a dit,
vas à l'hôpital, t'es quasiment en danger. Fait que, mais c'était une Russe née en Ukraine, en tout cas, c'est une affaire. OK, mais récemment, Ah. là, Nitchouskine, il a juste dit, écoute, c'est derrière moi, puis tout ce que je ne veux pas rentrer trop là-dedans, mais c'était une question familiale. Donc, il devait connaître la fille d'une certaine façon, une belle-sœur ou je ne sais pas, là. Puis, tu sais, il a décidé de s'en occuper, mais là, ça a comme dérapé, puis bon, je sais pas, ça. Je pense qu'il est parti en Russie, là, puis on ne le saura jamais, là, mais ça Ouais. l'a défaité ça lui a enlevé le goût de jouer au hockey, là. Sauf que c'est un élément important de l'Avalanche, le Nitchouskine, parce que Ouais, c'est ça. c'est vraiment un bon joueur de profondeur. Il est gros, il est capable de marquer, puis il ne coûte pas trop cher. C'est vraiment un élément fiable, là, dans l'équipe qui était avant, c'était-tu des Stars? Ouais, J'ai comme c'était un les blanc, stars. là. Moi, c'est des Ouais, c'était Stars, les c'est stars. ça. T'sais, ils ne faisaient plus rien, là. Ça fait que là, l'Avalanche l'ont ramassé à bon rabais. Puis là, ben, je pense qu'il amenait beaucoup là, en profondeur. Puis là, quand lui est parti, là. Puis Rodriguez, il a pas livré la marchandise. Même Newhook, là. T'sais, le Canadien, c'est un bon joueur, Newhook, là. Puis je pense que le Canadien va l'apprécier. Mais l'année passée, dans les séries, là. T'es peut-être Ouais, trop il était. jeune là, pour prendre un rôle plus important, là, puis ça n'a pas fonctionné. Aussi un joueur qui, je pense, qui va se développer au Colorado puis qui va débloquer, selon moi, ça va être Drouin. Ben, Drouin, moi, ben, tu sais, on connaît son histoire, là, il connaît McKinnon, là, ils ont fait leur junior ensemble, là, puis il C'est vrai. défonçait tout, là, dans les Moussets. C'est sûr que. Déjà ça, là, tu jouais avec un de tes bons chums avec qui tu avais une belle chimie sur la glace. Déjà ça, il n'y avait pas ça du côté du Canadien. Donc, juste ça, il va être meilleur. Puis en plus, tu as un gars là, que moi, je considère comme le troisième meilleur de la Ligue nationale, mais en tout cas, facilement le cinquième. Là. Tu sais, ça dépend des opinions, mais Nathan McKinnon, c'est dans l'élite de la Ligue nationale. Oh Fait que, tu sais, je veux dire, même tu mets Ryan Reeves à côté de McKinnon, il va faire des points. Là. Fait que, tu sais, Jonathan Drouin, oui. il est vraiment pas dépourvu de talent. Il a une bonne vision de jeu, il est capable de jouer sur le power play. Donc, ce contexte-là, c'est sûr là, je pense qu'il va avoir une bonne saison. C'est sûr que aussi il va avoir moins de pression. Là. Tu sais, à Ouais, Montréal, être un francophone qui est vu comme un joueur d'impact, c'est vraiment tu sais, des grosses bottines à chausser, là, comme on dit, parce que c'est un joueur francophone qui domine chez le Canadien, ça fait longtemps que les partisans entendent ça, là. T'sais, le dernier compteur de 50 buts, c'est Stéphane Richer. Je ne sais même pas si vous le connaissez, là, mais t'sais, Moi, ça fait non, longtemps. Là. non. Le dernier joueur de 100 points, ben, c'était pas un francophone, là, mais c'était Mats Näslund. Là, fait que, t'sais, un Guy Lafleur, les Jean Béliveau, les joueurs là, qui ont marqué le Canadien francophone, ben, c'est normal que les fans y attendent ça. Puis Drouin, ben, il est sorti choix numéro 3, je pense, ou 2, là, en tout cas, là, au Ouais, Moss. trop par le Donc, Lightning, mais pas bien. ouais, puis il avait eu des bonnes années junior, il le voyait comme un joueur de talent, sauf que il a pas pu porter ces bottines-là là, parce que mentalement, c'était peut-être trop là, mais je pense que dans l'Avalanche, tout ce côté-là, tout ça va être évaporé parce que là-bas, c'est pas lui la star, là, il a juste à jouer son hockey. Fait que ces deux éléments-là, moi, je pense qu'il va pouvoir avoir une bonne saison. Puis écoute, il n'a même pas coûté 900 000. Là. Il ferait 40 points, puis il serait correct aussi. Là, dans le sens Ouais, que, c'est sûr. moi, je pense qu'il va avoir une bonne saison, mais c'est un peu sa dernière chance, on s'entend. Ouais, non, c'est sûr. Ouais. S'il poke encore, là, il n'y aura plus de contrat. C'était Non, peut-être la ça seule va être en équipe qui Europe. voulait le prendre. Fait que, Ouais. mais là, je ne sais pas si vous avez vu, là, il l'annonce sur le premier trio avec Rantanen puis McKinnon. Là, fait que, je ne sais pas Ouais. s'il va rester là, lui, Non, mais. c'est... S'il fait pas de points, c'est le gars, il n'y a plus rien à faire. Non, exact. Ah, c'est Mais. sûr. Écoute, s'il gagne la coupe, je vais prendre un screenshot, je vais l'envoyer à mes amis fans du Canadien juste pour les taquiner, là. Ça va être une blessure vive à frotter, là. Ben, si Drouin gagne la coupe au Colorado, là, il va avoir des fans canadiens qui vont être quand il voulait plus jouer à Montréal, il faisait exprès d'être pas bon à Montréal, puis...
Il y en a qui Ben, veulent. honnêtement, Moi, j'ai là. toujours ben aimé Drouin. Moi, je suis bien content qu'il gagne la Coupe au Colorado. Ben, les fans du Canadien, ils vont être contents pour Drouin parce que moi, je me rappelle très bien quand Philippe Dano, il avait quitté Montréal pour les Kings. On disait tout, ah, oh, c'est un trade, c'est un trade, c'est un trade. Mais une couple de mois après, les fans du Canadien aimaient les Kings grâce à Dano, dans le fond. C'est vrai. Moi, puis tu sais, Dano, j'étais le premier à dire que je trouvais qu'il demandait cher, puis je trouvais qu'il voulait jouer haut, mais tu sais, dans le Canadien à l'époque, il jouait un gros rôle, puis tu sais, Ouais. lui faisait quand même face à la musique avec le talent qu'il a, là, dans le sens que tu sais, Dano, il a certaines limites, mais c'est un Christy bon joueur de hockey, là, mais ça ne sera pas nécessairement un marqueur de 100 points, là, on s'entend. Mais je Non. trouvais qu'il livrait la marchandise. Puis j'ai été même étonné là, quand je l'ai vu avec les Kings dans un rôle peut-être plus spécifique à lui derrière Kopitar. Ben, tu sais, il fait un job en crise, là, sérieux, là. Ben Bravo oui, à Dano, là, honnêtement, là. là. Ouais. Moi, depuis que Dano est avec les Kings, puis que je le vois jouer, puis que c'est que je vois comment Gallagher s'en va, je me dis, on aurait dû donner le contrat de Gallagher à Dano. Puis les deux joueurs sont pas pareils, mais c'est quand même. Qu'est-ce que vous pensez de Gallagher? Ben, je vais vous donner comment je vois ça, j'aimerais savoir votre avis. Moi, Gallagher, tu sais, je l'ai vu arriver dans le Canadien, un petit joueur qui a du chien qui va devant le filet, tu sais, il grindait ses buts, là, il méritait, puis tu sais, il était beau à voir. Mais moi, quand je le voyais, je disais, ce style-là, là, mais qui a 32-33, là, et il va se coucher avec des bleus, puis il va avoir mal, puis ça va moins tenter, parce que c'est tough de jouer ça, surtout quand tu n'es pas nécessairement un gros gabarit. Puis plus qu'on vieillit, plus les doubles échecs en arrière du dos, ils font mal longtemps. Là, ils ont bien beau avoir des bons médecins, là, le devant du filet, là, c'est la pire place, là, ça fait mal. C'est payer le prix, c'est là que tu le payes. Là. Fait que Non. je ne sais pas s'il va se relever de ça. Je ne sais pas s'il va être capable de redevenir un joueur d'impact chez le Canadien. J'en doute, mais je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Ben, moi, je sais plus c'est quelle année, mais il y a une saison, Gallagher avait fait 30 buts. Puis là, tout le monde s'est mis à dire, Gallagher, il est capable de marquer 30 buts, c'est un scoreur de 30 buts. Puis là, depuis ce temps-là, hein, Gallagher, il est moins bon. Et moi, je me disais, moi, ça a longtemps été mon joueur préféré avec le Canadien, Gallagher. C'est le premier jersey que j'ai acheté, Gallagher. Puis je l'aime encore, mais je disais la même chose, hein. Je les voyais se faire cross-check, se faire frapper, puis je me disais, ouais. Lui, son contrat, ça va mal vieillir. Ah oui, c'est ça. Oh, c'est Mais ça. je pense que j'ai vu récemment qu'il dit qu'il est en santé là, puis qu'il a encore le goût de jouer là, fait que et, je pense que ça va être un bon leader, puis il y a certainement plus de cœur que ben des joueurs dans la Ligue nationale. C'est juste qu'il faut que le cœur suive, là, parce que des fois, avoir Ouais, du c'est cœur, ça. ça fait mal, là. Ben moi, honnêtement, qu'est-ce que je pense de Gallagher? Moi, je trouve que c'est un joueur qui a du chien. Mais honnêtement, je pense que il va avoir beaucoup plus de blessures. Surtout, comme tu as dit, Dom, vu qu'il y a eu plus de coups, plus de coups, plus que ça va faire mal plus longtemps, même si tu es un bon médecin. Ça va faire plus mal, puis c'est ça, là. Ouais. Ouais, puis, tu sais, moi, je joue au hockey, là, tu sais, je suis rendu à 46, là, puis je joue pas contact parce que c'est des ligues de garage, mais je l'ai vu, là, le lendemain, là, et plus j'avançais dans la trentaine, plus le lendemain, j'étais fatigué, puis j'étais plus raqué, puis tout ça, puis eux autres, ils se font frapper, là. Fait que, Exactement. plus tu vieillis, là, plus ce qui te dérangeait pas à 20 ans parce que t'étais jeune, ben ça commence à te déranger plus longtemps. Faut que tu ailles dans le bain de glace, faut que tu ailles plus de massage, faut que. Tu sais, là, les. C'est Donc, ça. puis ce style, le style qu'il joue, ben, c'est un style qui est propice à se faire blesser parce qu'il est dans le trafic. Fait que, est-ce qu'il est Exactement. capable de changer de rôle un peu, puis d'être efficace? Ça sera peut-être son avenir, mais ça.
on va le voir. Là. J'ai bien hâte quand même, parce que moi, c'est un joueur que je respecte beaucoup, là, par contre. Ouais. C'est, exactement. C'est un joueur que, ouais. Je voulais juste en revenir sur ce que j'ai dit. J'ai parlé de sa saison de 30 buts. J'avais pas fini mon idée là-dessus. J'ai pensé à d'autres choses, mais le monde disait que c'est un marqueur de 30 buts, mais j'ai regardé la compilation de sa saison de 30 buts et il les a marqués où ses buts, là. Il n'y a pas grand but, c'est des bons lancers puissants. Hein. C'est des déviations sur son corps, sur son bâton. Gallagher, ça a toujours été ça. Hein. Mais moi, je pense qu'il peut être efficace sans marquer 30 buts. Là. Il peut avoir un rôle vraiment, là, je veux dire, un joueur d'énergie. Même avant qu'il fasse sa saison de 30 buts, moi, je l'ai toujours trouvé très, très bon. Là, C'était ça ta question, Mathieu? Non, je voulais juste en revenir sur ce que j'avais dit, que c'était pas fort, là, mon point sur sa saison de 30 buts. Là. Okay. Mais ouais, j'ai une autre question. Justement, ça a rapport avec l'Avalanche. Ouais. Je me demandais, selon toi, Dom, c'est quoi l'avenir de Landeskog? Landeskog, ben, ce que j'ai lu là, c'est que là, ça fait deux fois qu'il se fait opérer au genou, là. Puis c'est une opération, là, il remplace le cartilage. Là. Donc, ils te mettent un produit synthétique à la place du cartilage que tu avais naturel parce que ton cartilage naturel est tout défait. Ça fait que ça a cogné dans ses genoux dans sa carrière. Là. Donc, c'est pas une opération qui vire toujours bien. Ça se peut que tu ne reviennes jamais comme avant. Puis je pense que c'est méthode. En tout cas, il y a un joueur de sénateur, je pense que c'est méthode qui l'a déjà eu. Ouais. Puis il a dit, je suis jamais revenu comme avant après ça. Donc, l'avenir de Landeskog est incertain, à mon avis. Là, si ça reprend bien, là, il dit là, ces derniers temps qu'il se sent bien, mais il n'a pas recommencé à patiner. Donc, si ça reprend bien, tant mieux, mais j'ai quand même des doutes là, qu'il puisse revenir de ça à 100% ou aussi efficace qu'avant. C'est vraiment un joueur physique. Ouais. Puis, il a tellement manqué d'une série l'année passée. Là. Il se bat aussi. Moi, c'est... l'année qu'ils ont gagné la coupe, là, ils défendaient ses joueurs, puis j'ai trouvé vraiment là, que pas toujours le meilleur compteur là, qui doit être le capitaine, puis j'ai trouvé que Landeskog, c'était le capitaine parfait là, pour l'Avalanche, parce que il allait dans le trafic, il défendait ses joueurs, puis il était toujours dangereux pareil à l'attaque, mais sérieusement, pour l'instant, je suis encore incertain qu'il va revenir au niveau qu'il y avait. On va voir là, c'est une première fois qu'il va retourner ça à la glace quand il va commencer à jouer avec du contact là, puis c'est là il va peut-être revenir pour les séries là, faire un petit coup ce que les Lightning ont fait avec Kucherov là, Landeskog va arriver pendant les séries, ça pourrait être cool, mais ça se peut qu'il soit plus jamais comme avant là, fait que ouais. Mais j'espère bien qu'il puisse revenir parce que c'est un élément là tellement important que l'Avalanche ont perdu là, c'est fou là. Ouais, c'est sûr que. Préféré dans la ligue, c'est un excellent capitaine. Et j'ai vu du monde dire que sa carrière était finie. On va attendre. Ouais, c'est ça. Mais ouais. C'est sûr qu'un genou, on l'a vu avec Carey Price aussi. Là. Ouais. Un genou, c'est bien maudit là, comment ça va revenir. Là. On ne sait jamais. Là. Mm-hmm. Ben, honnêtement, si Landeskog. Si le Colorado perd les services de Landeskog, surtout avec sa blessure, Colorado, ils vont avoir perdu un gros élément. Ils vont perdre un gros morceau du côté de cette organisation-là parce que tu vois que Landeskog, c'est un élément très important du côté du Colorado. C'est un excellent leader aussi au Colorado aussi. Puis, comme tu dis, il est capable de défendre ses joueurs, là. Oui, c'est ça. Puis il n'est pas petit, là, tu sais. Il n'a pas peur non plus, là. Puis on parle beaucoup de les bagarres au hockey et tout ça, mais tant que l'arbitrage ne sera pas parfait, là, ça va prendre du monde qui brasse parce que défendre ses joueurs, c'est parce que
Si l'arbitre ne le fait pas, ça prend quelqu'un qui vienne les défendre parce que ouais. l'autre équipe n'aura pas peur et ils vont continuer à faire des coups de chien. Fait que, quand tu as peur d'en manger un sale, ça te fait réfléchir avant d'attaquer un joueur comme. Surtout les joueurs vedettes, là, tu sais. Fait que, ouais, c'est sûr. Ouais. Non, en tout cas, j'espère beaucoup qu'ils reviennent en santé. Ouais, moi aussi. Fait que, c'est une grosse perte, sinon, pour l'Avalanche. Grosse, grosse perte. Exactement. On va passer à la prochaine question qui parle effectivement de l'Avalanche Colorado. Où tu vois l'Avalanche pour cette année en 2024? Ben, tout va dépendre du début de saison, mais là, je pense que tout, à part Landeskog, tout le monde est en bonne santé. L'ajout de Drouin, s'il est capable de faire des points comme je pense, tu sais, un 50, 40, 50 points. Comme je pense qu'il est capable. Aussi, Tatar, s'il peut amener des petits buts importants là, des buts de troisième trio là, qui peuvent te mettre, qui peuvent égaliser le match, peuvent te le mettre en avant. T'sais, si ces joueurs-là peuvent jouer à ce qu'on peut s'attendre qu'ils jouent, mettons, si on évalue leur talent, ben, moi, je pense que l'Avalanche peut aller loin parce qu'ils sont allés chercher plus de profondeur de ce côté-là. Ross Colton, je ne le connais pas beaucoup, mais il avait joué pour le Lightning. Puis j'ai checké ses stats. Il a quand même des bonnes stats. Là, puis il est jeune. Fait que lui, il peut être très prometteur. Là, puis amener justement la profondeur sur le troisième trio. Miles Wood, ils l'ont signé 6 ans. Tu sais, ça a l'air d'être un très bon joueur. Il jouait pour les Devils, je pense. Puis je ne le connais pas beaucoup. Sauf que s'ils l'ont signé, c'est parce qu'il voit beaucoup en lui. Donc, moi, je pense que côté profondeur, ils ont bougé. Parce que l'année passée, ça leur manquait grandement. Donc, moi, je pense qu'ils peuvent faire une Christie de belle run cette année. Là, puis, ils peuvent même penser à gagner la Coupe Stanley. Puis, je pense pas pour rien là, que les preneurs au livre les voient comme des potentiels champions. Puis, avec McKinnon puis Makar, c'est tellement des joueurs exceptionnels qu'ils sont toujours dangereux. Là, c'est... Des patineurs comme ça, là. C'est tellement beau à voir là, qu'ils peuvent traverser la glace là, puis ils déjouent tout le monde et tu vois qu'ils sont une coche au-dessus des autres. Là. Et Makar, McKinnon, là, je vois juste McDavid là, qui patine autant, qui patine mieux qu'eux autres. Là, il y a à peu près juste, pas McKinnon, mais c'est ça, McDavid. Donc, c'est des joueurs là, qui peuvent changer un match à eux autres tout seuls. Donc, ils vont toujours rester dangereux. Là. Mais ben moi, je pense qu'il pourrait surprendre beaucoup cette année puis peut-être aller rechercher une quatrième Coupe Stanley. J'aimerais bien ça. Je suis pas mal plus confiant que l'année passée. L'année passée, je voulais, là, parce que c'est mon équipe. Là, mais dans le fond, moi, j'étais moins confiant. Là, parce que la perte de Kadri a fait mal. Là, puis ils n'ont pas réussi à le remplacer. Là, puis ça aurait été un mauvais contrat, par contre. Je trouve qu'ils demanderaient il demanderait un contrat trop long pour le prix parce que Kadri, dans 3 ans, c'est pas le Kadri, à mon avis, qui a gagné la Coupe Stanley avec l'Avalanche. Là, il va commencer à vieillir. Il ne pourra pas sortir des saisons de même. Donc, je comprends que le gars, il se dit, j'ai gagné la Coupe Stanley, j'ai été un élément important. T'sais, payez-moi ma juste valeur. Mais je ne pense pas que le signal à long terme aurait été une bonne idée, sauf que l'année passée, il a créé un trou là, que personne n'a pu remplacer. Là. Ouais. Moi, honnêtement, je vais être honnête avec toi, en 2024, il y a une affaire que j'aimerais en série. Ça serait un match en finale de l'Ouest, les Oilers d'Edmonton contre l'Avalanche Colorado. Sauf que cette fois-ci, j'aimerais ça que les Oilers passent en finale de la Coupe. ça serait hot. Puis qu'Edmonton gagnerait ça serait hot. Ça. C'est sûr que ce serait la meilleure série, je pense, qu'on pourrait avoir le côté talent, côté le spectaculaire d'hockey, wow. comme on l'a eu. Puis écoute, je le dis sur ton podcast, là, si l'Avalanche se fait sortir par les Oilers, parle-moi pas pendant 2 jours, mais au 3e jour, je vais te dire, je prends pour les Oilers, puis je vais cheerer avec toi parce que j'aimerais bien ça qu'ils gagnent. Mais tu sais, c'est ça. Il y a 2 jours où je suis pas parlable, là, mais ça, c'est normal. C'est comme moi en 2022. Quand Colorado, ils ont sorti mes Oilers, j'étais comme, j'étais triste pendant 2 jours, mais en finale de la Coupe, j'étais comme, je prends pour l'Avalanche. Puis c'est un bon match-up, là.
Tu vois McDavid et McKinnon là, se battre un contre l'autre. Là, c'est tellement la crème du hockey que c'est là où je reviens à un point que j'ai dit tantôt. C'est là où les gens qui sont juste sur une équipe manquent de s'intéresser aux autres équipes parce que là, tu vois du hockey que tu ne vois pas nécessairement dans ton équipe. Tu vois des nouvelles stratégies de jeu, tu vois des joueurs exceptionnels. Puis si tu aimes le hockey, là, que tu sois partisan ou pas, là, tu peux juste apprécier le spectacle tellement que c'est spectaculaire. Donc, c'est deux équipes qui vont nous donner un Christy de show. Là. Fait que j'espère qu'ils se raffrontent cette année, ce ne serait pas pire. Puis j'ai vois les deux en série. Là. Je vois pas comment que ni l'Avalanche ni les Oilers pourraient rater les séries cette année. Là. Non. Oui, c'est ça, exact. Là. Mais sinon, c'est sûr que c'est des équipes qui vont se rendre en playoff. Là. Ah oh ouais. Ben honnêtement, je vais être honnête avec toi, là. L'Avalanche Colorado puis les Oilers Edmonton, là, ça me fait penser aux Blackhawks puis les Kings dans les années 2010. Honnêtement, ouais, ça me fait penser à ça, hein? Deux équipes dominantes dans la même conférence, des ennemis, là. Ouais. Puis, ça me fait penser, vous autres, vous n'avez pas connu ça, là, mais les bonnes années des Red Wings contre l'Avalanche, là. Oui, ça me fait twist, là. Ça, là, puis à un moment donné, il y a même eu Dallas aussi. Ils ont gagné une coupe pendant ce temps-là, là, Dallas avec Mike Modano. Là. Eux autres aussi, là, les séries, là, c'était dans l'Ouest que tu avais le show. Là, ça se battait. Là, c'était vraiment des équipes là, avec des joueurs là, exceptionnels. Là, Sakic, Eisenman, Modano. C'était des Christy de série. Donc, c'est le fun, ça. Puis effectivement, là, Kane contre Kopitar, là, dans l'exemple que tu as donné, là, c'était un bon temps du hockey aussi dans l'Ouest. Là, exactement. C'était vraiment quelque chose. Là. Moi, honnêtement, là, j'ai adoré l'époque des Blackhawks et les Kings. J'ai moins adoré, par exemple, l'époque des Pingouins, par exemple. Mais honnêtement, c'est sûr que j'étais content quand Chicago avait perdu contre Saint-Louis puis Los Angeles, quand ils avaient perdu contre San Jose, parce que je voulais que ça varie. Mais quand Washington avait sorti les Pingouins en 2018, là, j'étais content. Puis, je sentais que c'était le plus beau jour de ma vie, là. Moi, j'étais content. Je vais vous conter une anecdote parce que moi, mon fils, là, il aime le hockey comme moi. Là, puis, à 3 ans, il me demandait de faire des passes. Puis, c'est même pas moi qui a poussé. Là, on dirait qu'il y avait ça dans son sang. T'sais. Fait que moi, je ne l'ai pas dirigé vers une équipe. T'sais. J'ai dit, t'sais, choisi. Puis lui, il trippait sur Ovechkin parce que t'sais, il avait un bon lancer. T'sais, il est spectaculaire. Fait qu'il s'est mis à prendre pour Washington. Puis moi, ben, tu sais. Quand que Washington est en série, puis mon fils, il voulait les écouter, puis il trippait. Ben, je l'écoutais avec lui, puis je me suis mis à prendre pour Washington aussi. Fait que cette année-là, j'étais content là, qu'ils sortent les Pingouins, puis que Ovechkin gagne la coupe. Même chose que j'ai dit tantôt, McDavid, Ovechkin, il fallait qu'il mette son nom sur la coupe. Là. C'est un joueur qui va rester Hall of Fame direct. Il va rester probablement le meilleur buteur pendant longtemps. Là. Fait que... Il fallait qu'un joueur comme ça mette son nom sur la coupe. Là. C'est plate, les joueurs exceptionnels que par un contexte malheureux, là, ils ne puissent pas gagner la coupe parce qu'il y en a plein qui le méritent. Là, puis je pense que le méritait. T'sais, les Pingouins, je les ai haïs un bout de temps parce que justement, ils sortaient toujours Washington. Mais n'empêche qu'il y avait toute une équipe de hockey. Puis Sidney Crosby. Moi, je l'ai vu jouer, là, j'étais à Rimouski dans le temps qu'il était pour l'Océanique. Là. Mm-hmm. Puis c'était clair que ce gars-là, il était une coche au-dessus de tout le monde. Là. Puis c'est encore aujourd'hui, il a des bonnes saisons. Là. Fait que, c'est vrai. Ben, personnellement, je ne suis pas un fan de Crosby. C'est vrai que il fait partie des joueurs que je déteste le plus dans la Ligue nationale de hockey. Tu sais, j'avais envoyé ça sur TikTok là, quelques jours. Bien. Mais d'un compte rendu. C'est vrai que Sidney Crosby a rendu ses joueurs meilleurs. Il a été exceptionnel. Ça a été un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey. Il a remporté 3 Coupes Stanley, honnêtement. Il a rendu les Pingouins meilleurs. Il a donné des exploits, surtout avec l'organisation des Pingouins. C'est sûr qu'il va devenir Hall of Fame, là, ce joueur-là. Là. Lui et Ovechkin, c'est sûr que ces deux-là rentrent Hall of Fame, ces deux-là. Là. Assurément. Mais moi aussi, je l'ai moins maintenant qu'ils sont moins menaçants, les Pingouins, là, mais
Il n'y a pas si longtemps, là, je le laissais, mais tu sais, s'il n'était pas bon, on ne l'aillerait pas, là, on s'en crisserait. Ouais, c'est sûr. C'est parce qu'il est dangereux. Mais il est un peu. Tu sais, en anglais, il l'appelle souvent crybaby. Tu sais, des fois, ouais, je suis chialeux, là. Pis, et c'est comme je suis la vedette, là, protégez-moi, là, je chiale à préserver. Tu sais, des fois, je le trouvais un peu pleurnicheur, là. Mais bon. Ouais, c'est un peu pour cette raison-là pourquoi est-ce que j'aime pas Crosby, parce que je trouve que c'est son attitude de pleurnichard que j'aime pas trop de lui. Mais à part ça, il a été excellent, ce joueur-là. Là. Il a rendu ses joueurs meilleurs, il a gagné 3 coupes, puis ça a été un joueur électrisant, là, cette équipe-là. Ce joueur-là. C'est ça. Puis là, ben, je sais pas si vous avez d'autres questions, mais moi, j'en aurais une. Qu'est-ce que vous pensez des Pingouins, là, avec... Justement, Carlson qui arrive, Crosby puis Malkin qui veulent en donner encore. J'ai vu le temps qui dit j'ai des choses à prouver cette année, donc on dirait qu'il a encore le couteau dans les dents. Donc, tu sais, c'est on les voit pas à Coupe Stanley, mais tu regardes le line-up, tu peux pas les exclure, là, parce qu'ils peuvent arriver puis arriver fort. Là. Tu vas-tu, Mathieu, ou j'y vais? Je vais y aller dans le fond. Pour moi, là, c'est enregistré, fait que si ça vient bien mal, vous allez pouvoir me bâcher, mais dans le fond, je pense qu'ils vont encore manquer les séries. Pas parce que ils n'auront pas essayé, mais selon moi, Carlson, sa saison, c'est un one-off. Hein. Selon moi, il n'y aura pas une autre bonne saison comme ça. Hein. C'est ouais, la raison pour l'échanger, Carlson. Après une bonne saison. Là, ils sont pognés avec un corps qui est assez vieux, là, sans vouloir manquer de respect. Mais pour le hockey, là, je pense, ça, c'est Crosby, il est encore bon, là, Malkin aussi. Le temps, il commence tranquillement à régresser. Selon moi, ça va faire comme les Red Wings de quelques années quand il y avait Zetterberg, Datsyuk qui ont commencé à prendre leur retraite. Puis, qui avait pas rebuild, qui avait pas repêché depuis longtemps. C'est le meilleur prospect au Pingouin, c'est qui? C'est genre Owen Pickering. Hein, ouais, quelque chose de même. Que le rebuild va être très long, mais que Crosby, Malkin, etc. prennent leur retraite. Ouais, effectivement. Moi, je vais être honnête avec vous. Moi, je vais être honnête avec vous. Les Pingouins sont overrated. Parce que, honnêtement, je pense que les Pingouins vont échouer leur plan. Eric Carlson, on va entendre parler qu'il va vouloir se faire échanger des Pingouins de Pittsburgh. Oui, avec les Sharks, il a demandé une transaction, mais il n'a pas tombé dans la bonne équipe, là. Il est tombé à Pittsburgh, mais s'il avait tombé à Pittsburgh dans le temps qu'il était dominant, OK, ça aurait été cool pour lui, mais là, il est tombé. Il est tombé dans la bonne équipe, mais pas dans la bonne époque. Il avait été tombé, je sais pas moi, dans une équipe comme un peu Edmonton ou Colorado, ou peut-être les Hurricanes, là, ça aurait été intéressant pour lui parce qu'il aurait eu sa chance de remporter la Coupe Stanley parce que lui aussi, il aurait mérité de gagner la Coupe. Mais il a été tombé sur les Pingouins, une équipe qui ont des fortes chances de se lancer en reconstruction. Puis pourrait manquer les séries cette année. Fait que, à mon avis, moi, je pense que Pittsburgh, ça va être la reconstruction. Ça va être très long avant qu'ils fassent une reconstruction. Ça va être une reconstruction qui va durer environ 15-20 ans. Comme un peu les Capitals de Washington, ça va être très long la reconstruction, là. Ouais, ça, là-dessus, ça, c'est vrai. Moi, je pense que s'ils peuvent encore faire de quoi, c'est cette année. Puis après ça, c'est un long, long déclin, là, parce que tu peux pas. Crosby et Malkin, ça crée des trous béants, là. Exactement. Repêcher des joueurs comme ça, c'est un peu un coup de chance aussi, là. Tu peux pas. C'est pas juste une question de les développer, là. C'est des joueurs, tu sais, qui sont au-dessus de la mêlée, là. Ça va être dur. Mais j'ai hâte de voir. Carlson, moi aussi, je t'assieds de ton avis, Mathieu, qu'il y a eu une grosse saison l'année passée, mais que c'était peut-être un feu de paille, là, parce que
Je pense pas qu'il peut se maintenir ce rythme-là encore cette année. Puis je trouve que défensivement, il n'est pas responsable. Puis en série, quand tu n'es pas responsable défensivement à défense, ben. Je pense que c'est le défenseur avec le pire différentiel plus ou moins à gagner le Norris. Ouais, ça se peut. Ben, il est d'un moins, en tout cas. Ouais, il était moins 40 ou moins 30 ou quelque chose. Il disait qu'il devrait faire un trophée pour les défs offensifs et les défensifs. Oui, c'est vrai. Encore plus, cette année, ça a encore été plus mentionné à cause de Carson. Justement, il disait ça n'a pas de bon sens de donner le Norris à un gars qui est moins 40, juste parce qu'il y a une centaine de points. Mm-hmm. Mais ça serait une bonne idée, ça. Oui. Le meilleur défenseur offensif. Puis... Parce que ça fait que des gars... Ils l'ont fait avec les attaquants, fait que pourquoi pas les défenseurs. Ouais. Ça fait qu'il y a des défenseurs qui gagneront jamais le Norris, même s'ils sont meilleurs que certains défenseurs qui peuvent le gagner ou en termes de talent de défenseur. Je n'ai pas de nom comme ça, vite comme ça, là, mais... Des devs défensifs, il y en a des très bons dans la ligue qui gagneront jamais le Norris parce qu'ils font pas de points. C'est vrai. Puis un bon def défensif là, qui est fiable, là, qui se fait jamais prendre. Là. Sérieusement, il y a des équipes qui prendraient ça bien avant un 100 points moins 40. Là, parce que. Exactement. C'est plus utile. Moi, à mon avis, je pense que c'est plus utile que. Si ton def offensif il est responsable à la défense, c'est jackpot, là, mais entre un défenseur très offensif qui a des lacunes à la défensive ou un défenseur défensif fiable, en tout cas, je pense que je prendrais le défensif très fiable. En tout cas. Ouais. Exactement. Puis Colton, c'est pas ça. Là, il a pas démontré qu'il peut être un défenseur défensif, loin d'être là. Il y avait une séquence que j'avais vue d'un match des Sharks l'année passée. Il montrait Carlson, je pense, je ne sais plus si c'était en overtime, là, mais il disait, il montrait Carlson, il a trébuché, son bâton s'est pété, puis l'autre bord sont allés scorer parce qu'il avait perdu, il s'était enfargé dans la ligne bleue. Je sais. Ouais. Alors, en tout cas, on verra, là, mais moi, je pense pas que. Je pense pas que. Je trouve Carlson va être encore super bon cette année, là, mais. Ah, ben, t'sais, Moi, je pense pas. Il y a du talent, c'est sûr, là, dans ce qu'il fait, mais. Ouais. Je pense pas que. Mm-hmm. Il n'y aura pas une saison comme il y a eu l'année passée, à mon avis. Non. Ben, c'est sûr qu'en même temps, quand il y avait. Burns était parti des Sharks, là, il y avait eu plus de temps de glace, il y a eu plus de chances de marquer 100 points, mais là, vu qu'il a été échangé au Penguins de Pittsburgh, il va être avec le temps. Ouais, c'est ça, là, il y a le temps d'impact. Il va connaître une moins bonne saison offensive là, du côté de Eric Carson. Là. Parce que il était derrière Brent Burns. Fait, c'est ça qui l'a empêché. Selon moi, le temps est bien meilleur que Burns en plus. Fait, ben oui. Il est en arrière de le temps. Il va jouer moins qu'il jouait quand il jouait derrière Burns. C'est ça, là. Moi, j'avais une autre question après, si jamais il reste du temps. On peut parler. Moi, ça me dérange pas. Parfait. Ouais. Je veux juste aller charger mon téléphone. Là. Mais ouais. J'avais une question par rapport, je sais pas si vous avez vu ça passer. C'était hier ou aujourd'hui. Matthew Tkachuk qui a dit que. Ben là, je le paraphrase, mais il disait qu'il n'avait pas aimé jouer au Canada parce qu'il avait eu trop de pression, puis qu'il disait comme des joueurs comme Matthews puis Marner, et à cause de ça, la pression puis tout, puis il est bien heureux en Floride parce qu'il y a trop de pression au Canada. Moi, j'ai pas vu le monde réagir négativement. Il disait que Chuck... Il n'est pas capable de jouer sous la pression. Moi, je n'aime pas Tkachuk, là, honnêtement. J'étais un peu d'accord avec le fait que s'il dit ça, c'est parce qu'il est moins bon sous la pression, mais en même temps, ça dépend des joueurs. Là. Bon, là, c'est John répondre. Tu y vas-tu, Adam, ou j'y vais? Ouais, je peux y aller, mais si tu veux y aller en premier, vas-y. Là.
OK. Moi, honnêtement, Mathieu Tkachuk, selon moi, je pense que avoir de la pression pour jouer au Canada, ben, honnêtement, c'est sûr que du côté de Tkachuk, il n'a pas été chanceux de se ramasser avec Calgary. S'il s'avait ramassé avec une autre équipe canadienne qui aurait eu plus de cœur, il aurait été peut-être meilleur, mais c'est sûr qu'en même temps, Calgary, c'est une équipe qui sont bons un an sur deux. Ouais. C'est sûr qu'avec son développement, ben, il a été bon avec Calgary. Il a connu quand même des bons services avec les Flames. C'est sûr qu'avec Floride, ben là, il a des meilleurs services. C'est un clutch player. Il a été incroyable en séries éliminatoires. Puis il a connu sa meilleure saison de sa carrière en Floride. Je pense que avec Calgary, ça a plus été un mauvais développement. Mais s'il avait joué, je sais pas moi, peut-être à Edmonton ou Toronto, il aurait peut-être eu, ou peut-être Ottawa aussi, il aurait peut-être eu un meilleur développement, puis ça aurait peut-être été meilleur pour lui. Mais c'est sûr que à Calgary, c'est pas l'équipe qui a été c'est pas l'équipe où est-ce qu'on a le meilleur développement. Là. Non, non, non. Moi, mon avis là-dessus, je vais le prendre sur un autre angle, puis tu l'as mentionné, Mathieu, c'est la pression au Canada, là. C'est sûr qu'au Canada, puis tu sais, au Québec, on aime le hockey, mais on le sait qu'en reste du Canada, c'est une religion là, comme ici, là. C'est sûr que la pression est différente, puis c'est sûr que si tu arrives en Floride, t'as pas cette pression-là, puis tu sais, je me dis, c'est peut-être plus facile de jouer avec moins de pression. En même temps, tu sais, quand ta ville n'est pas toute hockey, puis tu gagnes, là, tu sais, peut-être que la passion du hockey, quand ça va bien, ça va propulser plus loin qu'une ville, que le hockey, c'est comme le quatrième sport, là. Mais c'est sûr que la pression au Canada est énorme. Mais en même temps, tu sais, t'es payé pour jouer au hockey. Puis les fans, puis les médias te mettent de la pression parce qu'ils aiment le hockey, là, puis ils veulent que leur équipe gagne. Fait que ouais. On peut toujours un peu leur en vouloir de mettre de la pression. Par contre, lui, il a dit quand même une réalité, là, que la pression au Canada, c'est tough. Mais tu sais, il y a aussi que c'est un Américain, hein, fait que retourner chez eux, paye moins de taxes, il fait plus chaud. Tu sais, il y a peut-être pas juste la pression non plus, là, mais ça, il peut peut-être pas dire ça ouvertement, là, mais... ouais, ouais, c'est sûr. Mais c'est sûr que c'est plus fun de jouer en Floride que jouer à Calgary. Ouais, c'est vrai, là. Juste le soleil, puis... Puis tu sais, aux États-Unis, là, je veux pas rentrer trop là-dedans, mais aux États-Unis, ils payent moins d'impôts, puis quand tu as de l'argent, comme les joueurs de hockey... Ben, t'en as plus dans tes poches, là. Veux pas, t'as une vie plus agréable qu'au Canada, là, quand t'as de l'argent comme ça. Fait que. Oui, c'est vrai. T'sais, fait que. Ouais. Moi, je pense que tout ça a joué, puis. En tout cas. Il y avait Daryl Sutter aussi, là, je pense qu'il aidait pas à Calgary, là. Il a perdu sa job aussi, là. Fait que. Ah oh, ouais. Ben, honnêtement, moi, j'ai trouvé ça bizarre, hein, à propos de Daryl Sutter. Du côté des Flames, on dirait que les Flames de Calgary sont tout le temps maudits, cette équipe-là. Chaque deux ans, ils ont toujours un problème de coach. Le coach, il se fait tout le temps congédier ou il y a tout le temps un problème sur soit un DG ou peut-être des joueurs. Puis c'est vrai, le peu. Parce qu'en 2021, je me rappelle très bien que Daryl Sutter, les fans de hockey, on disait « Ah, Daryl Sutter, il peut être pas pire, il peut être bon. » 2022, c'était un des meilleurs coachs. Là, aussitôt que c'est le 2023, là, c'était lui le problème, puis il coachait mal. Ouais. C'était vrai le peu. Ben, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, que c'est le coach, c'est la personne la plus facile à sacrer du dehors. Ouais, c'est sûr. Oui, Daryl Sutter, c'était peut-être pas le meilleur coach pour cette équipe-là. Mais c'était pas le 100% lui le problème, surtout que... C'est sûr. C'est ben, quand moi, je pense même, que... pas longtemps après, je pense, Godreau et Tkachuk qui s'en vont. C'était avant. Les joueurs qui voulaient plus être là,
C'était avant, ouais. Il est parti après. Mais tu sais, c'est un style de coach un peu old school, là, qui est peut-être plus dur avec ses joueurs. Moi, je pense que tant que l'équipe gagne, ça va, ça, parce que les joueurs prennent cette énergie-là pour la mettre sur la glace. Mais dès qu'il arrive une bad luck ou l'équipe ne va pas bien, ben, j'imagine que lui qui est un peu raide, là, ben, il tape encore plus ses nerfs qu'avant, puis là que l'énergie change, là, que finalement, là, ça ne te motive plus sa façon de faire. Mais oui, c'est sûr. Est-ce que c'est un complet mauvais coach? Je pense que non. Là, il a prouvé qu'il était quand même capable de coacher dans la Ligue nationale, mais tu sais, c'est l'année que. Il y a une année là, que c'est-tu l'année 2021, en tout cas? Il n'y a pas si longtemps, là, les Flames avaient eu une estie de saison, puis on pensait là, que on les voyait comme potentiellement gagner la coupe, puis se sont fait sortir en première ronde ou en tout cas tôt en série. Là, puis, c'est en 2019, je pense, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça se peut que ce soit en 2019, mais. Je pense qu'il y avait Colorado, je pense, en première ronde. Oui, c'est ça. Je me rappelle que Colorado les avait éliminés, puis c'était une année où on les voit. Ils me faisaient peur. Je dis, ah non, on prend une Calgary, puis. Ouais, c'était en 2019. Ouais, c'est ça. Fait que, on dirait qu'après ça, on se sont comme jamais remis de tu sais que des fois, là, quand t'es vu comme, ben c'est ça, là, l'équipe qui est supposée de la gagner puis t'en gagnes pas, là, la déception doit être pire, là. Fait que, je sais pas. Ça peut-être ça remet une mauvaise ambiance. Ben oui. Ben moi, je sais que je me rappelle aussi, en 2022, quand il y avait eu une bataille de l'Alberta, quand c'était Calgary-Edmonton, il y avait beaucoup de personnes qui disaient que Calgary allait éliminer les Oilers d'Edmonton. Les attentes pour les Flames étaient très hautes face aux Oilers d'Edmonton. Il y avait des gens qui disaient qu'Edmonton allait remporter la série, mais il y avait plus de gens qui disaient que les Flames allaient remporter la série contre les Oilers, mais résultat, les Oilers les ont éliminés en 5 parties. Oui, ça a été assez facile, mais ouais, effectivement, là, la majorité du monde mettait les Flames en avant. Là, puis, notamment ben, honnêtement, c'est vrai que quand il y avait des fans des Flames qui voulaient qu'ils battent les Stars, c'est sûr qu'en même temps, ça faisait bien, par exemple, une bataille de l'Alberta en deuxième ronde. Puis que les Oilers battent les Flames, c'était pas mal mieux voir Edmonton gagner la série contre Calgary parce qu'on a eu la chance d'avoir un duel McDavid-McKinnon en finale de l'Ouest. Ça, c'était intéressant. C'était plus intéressant voir Edmonton contre Colorado en finale de l'Ouest que Calgary-Colorado parce que si les Flames avaient remporté la série contre les Oilers, on n'aurait pas eu la chance d'avoir un duel McDavid-McKinnon. Ça, c'est intéressant quand Edmonton ont remporté cette série-là contre Calgary. De toute façon, moi, Calgary, s'ils se rendaient en finale et qu'ils ramenaient la Coupe au Canada, je serais content, là, mais c'est pas une équipe que. Mm-hmm. Tu sais que je trippe dessus, là. Ça n'a jamais été. Moi non plus. J'ai jamais vraiment appris pour moi, j'aime pas Calgary. Moi non plus, j'aime pas Calgary. Même aussi, en 2022, quand les Stars avaient affronté les Flames, j'avais misé les Stars, pas parce que je déteste Calgary, mais parce que je sais que les Flames de Calgary ont toujours une tendance à choquer en série. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, parce que j'ai remarqué une chose du côté des Flames, c'est que cette organisation-là, depuis qu'ils ont remporté la Coupe Stanley, ils ont passé 6 fois une ronde. 6 rondes, depuis qu'ils ont remporté la Coupe. C'est en 89? Ouais, ils ont remporté la Coupe en 89. Depuis ce temps-là, ils ont passé 6 rondes, dont 3 en 2004, une en 2015, une en 2020 et une en 2022. Il y a une année qu'ils se sont rendus en finale, par contre, me semble. Oui, en 2004. En 2004, oui, c'est ça. Mais effectivement, en 89, contre le Canadien, ils ont battu le Canadien. Oui. Tu me rappelles bien, oui. Avec Lanny McDonald et la grosse moustache.
La grosse moustache podcast, Lanny McDonald. Hein, ah, ouais, ouais, ouais. Là, vous allez voir, il était spécial, le dos, mais il était bon, par contre. Là. Ah, mais oui. Vraiment. Mais c'est quand même. Ben, c'est ça, là. C'est. Mm-hmm. C'est une équipe, ouais, effectivement, là, qui. Souvent, on les voit. Il y a des grosses promesses autour de cette équipe-là, mais ils ne livrent pas en bout de ligne. Non. Ouais, c'est ça. Il ne répond pas aux attentes, dans le fond, que ce qu'on lui promet, dans le fond. C'est. On va passer à la prochaine question. Moi, je me mute quelques minutes. OK. On va parler des capitaines. Brad Marchand. Et Bernie Chen a été capitaine chacun. Donc, Marchand qui est capitaine des Bruins de Boston et Bernie Chen qui est capitaine des Blues de Saint-Louis. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, Brad Marchand, moi, je pense que malgré que c'est un joueur un peu particulier, on va dire ça comme ça, je pense que c'était le choix logique parce que si tu le nommais pas, avec la perte de Bergeron, le joueur, c'est ton joueur poster, c'est ton meilleur joueur, c'est le joueur là, tu sais, qui est là depuis longtemps, tu sais, qui a quand même toujours tout donné pour les Bruins. Là, tu sais. Mm-hmm. Puis, oui, c'est une petite peste à la glace, mais justement, là, tu sais, je pense que c'est clair que ce gars-là, c'est un Bruins, puis tu sais, il veut regagner la Coupe avec les Bruins. Donc, moi, je pense que c'était le choix logique. Mm-hmm. Je pense que ça pourrait être un bon capitaine. Mais c'est sûr que avec le en étant capitaine, t'sais, licher un joueur, c'est peut-être plus des affaires de même. Il faudra qu'il arrête de faire peut-être des petites niaiseries. Là. C'est justement un capitaine, ouais, t'es le leader. Il ne faut pas que tu mettes ton équipe dans le trouble. Il faut que tu les inspires, surtout quand que, pour les jeunes. Mais moi, Brad Marchand, je suis assez d'accord avec cette décision-là. Puis je pense que s'il avait nommé quelqu'un d'autre, là, ça l'aurait tellement fait chier que ça aurait peut-être nu à même à ses performances. Je pense que lui-même s'attendait à ça. Puis que quand que Patrice partait, que c'était quasiment sûr que c'était lui. Puis il tire encore des bonnes saisons. Donc, je pense qu'il y a encore quelques bonnes années devant lui. Là. Je pense que c'est un bon choix. Chen, je le connais moins. Puis par contre, je sais que c'est un joueur efficace là, qui a la trempe d'un capitaine. Mais tu sais, c'est que d'un Blues, c'est une équipe que je pense depuis qu'ils ont gagné la Coupe, là, ils se sont pas vraiment retrouvés. Puis je pense pas que Chen amène un grand changement de ce côté-là. Là, ouais, c'est sûr. Moi, honnêtement, qu'est-ce que je pense de Brad Marchand, capitaine? Ben, c'est sûr qu'au début de tout, j'étais comme un peu en crise parce que je me suis dit « Ah, oh, il aurait dû mettre Pasternak ou McAvoy. » Mais finalement, avec les jours à venir, quand j'y ai réfléchi, je me suis dit « Ouais, c'est quand même un bon choix quand même de le mettre capitaine pareil pour Brad Marchand. » Je sais que j'ai su à radio que la journée quand que Marchand avait été capitaine, j'avais su ça, ça a l'air que David Pastrnak, il n'avait pas la maturité pour le devenir encore. Il n'était pas encore assez mûr pour le devenir. Puis je pense que finalement, Brad Marchand, ça peut être un bon choix idéal pendant quelques années avec les Bruins jusqu'à temps qu'il prenne sa retraite. Après ça, selon moi, le prochain capitaine, selon moi, ça pourrait être David Pastrnak ou Charlie McAvoy. Du côté de Brian Sheehan, capitaine, c'est sûr qu'il y avait plus ou moins le choix. Il aurait pu choisir un autre joueur en Colton Parayko du côté des Blues de Saint-Louis. Ça aurait peut-être été un bon choix. Ou peut-être Jordan Kyrou. Mais peut-être que du côté de Kyrou, il n'y avait pas aussi la maturité pour le devenir capitaine encore. Mais je pense que Brian Sheehan, ça peut être un pas pire choix. Je me demande s'il va le devenir longtemps. Parce que les Blues de Saint-Louis sont en ligne pour une reconstruction. Puis ouais. Peut-être qu'ils pourraient peut-être l'échanger, le Brian Sheehan. Ben, effectivement, là, ça pourrait être une bonne pièce d'échange d'une reconstruction là, avant la date limite là, pour une équipe qui pourrait profiter d'un joueur comme Sheehan. Donc,
Mais tu sais, peut-être que là, c'était pas le moment de mettre un jeune dans une reconstruction avec la pression d'un capitaine, puis que C'est Shen devenait le choix logique, là. vrai. Mais c'est sûr que Carew, dans une couple d'années, là, il a le talent pour. Puis je pense qu'il va avoir du leadership, là. C'est tout un joueur de hockey, là. Puis c'est un peu même plate qu'il soit dans les Blues, dans l'état qu'ils sont, là, parce que. Il est étonnant comme petit joueur. Mais j'ai haï les Blues là, parce qu'ils se pognent contre l'Avalanche. C'est que l'année que Kadri s'est fait pitcher une bouteille, là, c'était pas une équipe que j'aimais. Puis Non, non, Carew, quand il avait la puck, là, il était dérangeant. Là, tu disais, il était dangereux, je veux dire. Il pouvait toujours te sortir un but, là, puis un jeu incroyable. Mais ben tu sais, je oui. pense que Shen devient un choix temporaire correct, là. Toi, Mathieu, qu'est-ce que tu penses de la nomination des capitaines pour Marchand et Chen? Ouais, moi, Marchand, je trouve que c'est le choix logique, là, comme vous aviez dit, là. Je me doutais que ce serait Marchand. Je me suis dit, Marchand, il reste pas non plus 10 ans encore à jouer. Fait que c'est un bon. Je vois ça comme un capitaine pont, mettons comme. Mais en même temps, c'est un choix très logique. C'est le joueur qui est là depuis plus longtemps, je crois, maintenant. Fait Ouais, je pense que que. oui. En attendant, ben dans, comme vous aviez dit, après, ça va sûrement. Moi, je vois McAvoy comme futur capitaine. Après ça. Puis, en attendant, Marchand, c'est le choix logique. Hein. Puis Braden Shen, ça m'a surpris. Hein. Je pense que c'est Dom qui avait dit ça. Disait, c'était plus. Moi aussi, je voyais plus ça comme un joueur qui échangerait à la limite des transactions. Mais aussi, c'est logique que ce soit peut-être pas quelqu'un comme Kyrou ou Thomas ou un plus jeune. Peut-être Parayko aurait été un bon choix aussi. Ou, toute façon, moi aussi, je trouve que depuis qu'ils ont gagné la coupe, les Blues, ils s'en vont nulle part. Là, fait que, moi, Ouais, c'est il vrai. restera pas capitaine bien ben longtemps. Non. Ben, honnêtement, je vais être honnête avec vous autres, là. Jordan Binnington, là, quand il a remporté la Coupe Stanley avec les Blues en 2019, là, on dirait que, oui, en 2020, il a été bon, mais on dirait que depuis la pandémie, là, on dirait qu'il a comme regressé, Binnington. Ah oui, on dirait qu'il régresse à chaque année. Oh oui. Puis moi, Oui. honnêtement, c'est le goaler que je déteste le plus parce que j'aime pas son Ah oui. attitude. Il veut se Bon, battre il y a avec une tout le attitude de monde. merde. Non, c'est ça, il y a une attitude de merde. Je pense à une game en particulier, je pense que c'était contre les Sharks, v'là 2 ans. C'était Ouais, genre un score de fou, là, genre ça a fini genre 8 à 7 ou quelque chose c'est de ça. même. Puis Il à un avait moment donné, il y a compté un mois des Benning. Sharks. Ouais, Bennington avait été remplacé. Parce que, puis il a faké de puncher un joueur. Il s'en allait vers la cage du goaler des Sharks pour aller se battre avec. Oh, ouais. Puis il a collé son bâton au bout de ses bras en revenant sur le banc. Puis. Ben, te rappelles-tu quand il a joué contre le Wild, il s'avait fait scorer puis il voulait se battre contre Fleury, je pense. Ah oui. Ouais. Ouais. Je pense que c'est lui qui avait lancé la bouteille d'eau à Kadri aussi, c'était Oui, celui-là. Je pense c'est lui qu'il. qui a lancé. Ah, Ouais, t'as c'est ça, vu il a lancé. une ouais. Yes, boy. Ben, c'est ça, puis Non, moi, c'est ça. tu sais, on entend souvent l'expression, là, c'est une distraction pour l'équipe. Ben, Jordan Binnington, là, avec son immaturité émotionnelle, là, depuis qu'il a gagné la coupe, là, on va l'appeler comme ça, là, il dérange l'équipe. Tu sais, c'est ton gardien. C'est ton gardien numéro un, là, qui est talentueux quand même. Puis il n'est pas capable de garder son calme. Fait que là, comme joueur, là, comment t'embarques sur la glace quand tu sais pas dans quel état vas-tu être focus? T'es-tu focus quand tu es en crise sur la glace? Ou, tu sais, un gardien, ça doit être hyper concentré. Donc, moi, je pense que c'est mieux un gardien plus froid, plus réservé, parce que tu sais qu'il est dans sa game. Mais là, tu commences à se fâcher pour vouloir frapper le joueur, ben tu sais, il penses-tu à planter un joueur ou à arrêter les pucks? C'est ça que je me dis. Je me dis, c'est C'est pas. ça. Je pense qu'il a besoin d'un suivi psychologique. Là. Je ne dis pas qu'il est malade mental, mais juste de refocuser là, puis de retrouver ses repères là, parce que c'est clair qu'il n'agit pas normalement. Là, puis,
Ouais. Mais en même temps, les coéquipiers doivent marcher sur des œufs parce que c'est ton gardien. Ce n'est pas un joueur facilement remplaçable. Mais sacrifice, calme-toi, Doug. Honnêtement, là, quand j'ai su ça, là, quand il y avait le choix entre Bennington et Husso, quand les Blues ont échangé Ville-Husso, je me suis dit, les Blues ont commis une des plus grosses erreurs qu'ils ont faites. C'est ça que je m'en allais dire. Oui, parce que Husso, il était excellent, il était solide. Puis là, tu l'as échangé aux Red Wings, puis tu gardes un goaler qui régresse de plus en plus, qui a une mauvaise attitude. Honnêtement, les Blues ont fait toute une gaffe. Puis moi, je pense que honnêtement, depuis que Peter Chiarelli est conseiller DG des Blues, on dirait que les Blues, ils s'en vont nulle part. Là. Cette équipe-là, ils font des mauvaises transactions. Puis quand Peter Chiarelli était DG des Bruins, depuis l'échange de Tyler Seguin, il a fait des mauvaises transactions. Avec les Oilers d'Edmonton, il a fait des très mauvaises transactions. Puis là, tu le vois conseiller des jeux des Blues. Les Blues sont en régression massive. Ouais. Shirley est peut-être overrated, là, où il amène toujours une mauvaise... il est associé à des échecs plus qu'à des... Qu'il y a des succès à m'emmener, il faut comprendre. Exactement. Là. Puis je pense que c'est un petit peu pour ça que les Blues, depuis qu'ils ont fait l'engagement de Peter Chiarelli comme conseiller DG, on dirait que les Blues, ça a comme regressé. Puis, moi, je me suis dit, quand c'est arrivé, c'était moment-là, je me suis dit, bon, les Blues vont devenir pourris. Ouais. C'est ça que c'est en train d'arriver. Je vais lancer une petite blague la semaine. Let's go. Ok. Sais-tu qu'est-ce qu'une noisette dit quand elle tombe dans l'eau? Non. Je me noie. Ouais, j'aurais dû y penser. La blague, la semaine. T'avais-tu d'autres questions, Mathieu? Ben, j'avais noté d'autres questions, mais c'est... juste vite fait, en terminant. En terminant pour mes questions, là, parce que les autres questions, c'est moins important. Là. Je voulais juste savoir si, selon vous autres, parce que chaque année, au camp d'entraînement, il y a toujours une surprise. Mm-hmm. Ben, il y a souvent des surprises. Selon vous, qui pourrait être la surprise au camp du Canadien cette année? Je sais qu'on parle beaucoup du Canadien, mais je voulais quand même vous poser cette question. Non, vas-y, go. C'est une bonne question, honnêtement, puis je suis pas sûr de ma réponse. Je vais plutôt dire que j'aimerais qu'il soit une surprise. Okay. Puis c'est Slafkovský, parce que tu sais, ça a été un choix. Moi-même, je ne prends pas pour le Canadien. Quand ils ont pris Slafkovský, je dis, mais pourquoi vous n'avez pas pris Wright? C'est un centre. Puis tu sais, je n'avais pas trop compris ce move-là. Ouais. Après ça, on a vu qu'il n'y avait pas une super attitude. On a vu que tu sais, avec les Seattle, il a rien cassé. Puis... T'sais, il a bien beau avoir été exceptionnel dans le junior, là, pour l'instant, il n'est pas prêt tout à fait pour la Ligue nationale. Puis, Slafkovský, c'est peut-être un meilleur choix, sauf que j'espère qu'il a appris l'année passée. Puis, s'il a appris l'année passée, ce joueur-là pourrait être une belle surprise pour le Canadien parce que t'sais, il est gros puis il est rapide pour sa grosseur. Puis, t'sais, ça peut être un power forward que le Canadien n'a pas eu depuis longtemps. Puis, s'il devient ce qu'on s'attend de lui, là, le Canadien, ça pourrait un peu changer l'attaque du Canadien là, si lui il se développe. Donc, moi, je pense que s'il a pris l'année passée, là, il est arrivé, peut-être qu'il avait des grosses attentes, puis là, il a connu la Ligue nationale, il a compris que ça frappe, puis il faut que tu te lèves la tête. Mais là, je pense que s'il a bien réfléchi à ça là, pendant sa blessure, puis l'année passée, il pourrait surprendre en tabarouette ce joueur-là. Ouais.
Moi, je vais y aller avec un choix aléatoire. Honnêtement, je ne sais pas si je vais me tromper, mais je vais y aller avec Lane Hudson. Je pense que Lane Hudson fait pas le camp, non? Je sais pas, madame. Je pense que c'est pas sûr s'il fait le camp. En cause, c'est la règle de la NCAA. Je pense qu'ils n'ont pas le droit de faire le camp, sinon ils perdent le contrat. OK. J'aurais choisi lui. Honnêtement, je vais y aller avec. Je ne sais pas c'est qui y a dans le camp. Je vais te dire ma réponse dans le fond. Je vais te nommer deux noms. Un joueur qui m'a surpris jusqu'à maintenant en bien, Logan Mayhew. Je vais avec Logan Mayhew. Ils n'ont rien joué de significatif jusqu'à maintenant, là, des matchs intra-équipe, des matchs de recrues. Mais jusqu'à maintenant, oui, Mayhew n'a pas été parfait. Il y a eu des lacunes à la défensive. On a vu dans un match de recrues qu'il s'est fait passer. Là. Mais il amène quelque chose à l'attaque. Dans un match intra-équipe, le jeu de passe avec Anderson dans le premier match intra-équipe, là. Top notch. J'aime bien ce qu'il peut devenir. Puis, un autre joueur qui j'aimerais qu'il me surprenne, je pense pas qu'il fasse l'équipe, mais Joshua Roy. OK. Je pense pas qu'il fasse l'équipe. Le best, ce serait qu'il fasse le Rocket. Mais, s'il peut impressionner le Canadien, puis laisser une bonne carte de visite, comme on dit, peut-être dans les premiers rappelés en cas de blessure. OK. Pour moi, ce serait un bon camp pour Joshua Roy. OK. Ouais, finalement, mon choix va être Logan Mayhew. Je pense que Logan Mayhew peut se débrouiller défensivement. Oui, c'est vrai qu'il a connu beaucoup d'erreurs, surtout quand il était jeune aussi. Quand il a posé la photo d'une fille, dans le fond, là. Ouais. Mais c'est sûr que s'il prend la maturité puis que il se développe mieux défensivement, ça peut être meilleur. Pour là, on n'a pas entendu parler qu'il avait fait d'autres conneries. Fait que s'il prend encore plus de maturité avec l'organisation du camp d'entraînement, il pourrait peut-être faire l'alignement du Canadien, selon moi. Fait que c'est ça que je pense. Puis éventuellement, dans le futur, j'aimerais bien, dans les prochaines années, j'aimerais bien le voir avec Hudson, justement. Mm-hmm. Ça pourrait être intéressant. Si jamais, encore une fois, si jamais Mayhew se développe plus défensivement, sinon c'est deux defs plus offensifs ensemble, sinon Goulet, Mayhew, quelque chose comme ça. Ben, remarquez une chose, à l'avenir, le Canadien de Montréal, là, défensivement, là, ça va être très intéressant. Là, parce que tu vois, tu as des Rainmaker, tu as des Lane Hudson, tu as des Logan Mayhew, tu as aussi des Caden Goulet. Montréal, ça va. Il y a même Justin Barron aussi qui peut surprendre. Ouais, il y a un bon potentiel. Mais oui, Logan Mayhew. Ah, vas-y, Adam. Moi, je voulais juste dire mon avis, par exemple, c'est vrai sur Logan Mayhew, là. Puis c'est vraiment un point, tu sais, quand on dit un moment dans une vie là, hyper important, là, tu sais, là, t'as fait une gaffe, là, t'as vraiment eu fait de quoi d'innocent. Puis là, il y a une équipe qui te font confiance, là. Puis, tu sais, il y a comme sa chance, là, de mettre ça derrière lui. Mais, tu sais, puis la façon de remercier l'équipe qui t'a repêché, c'est justement de bien jouer dans le système, puis c'est de bien te développer. Puis il y a certainement un talent offensif. Sauf que il fait des choses dans le junior qu'il ne pourra pas faire dans la Ligue nationale là, parce qu'il il a plus de talent devant lui. Sauf que ouais, il pourrait surprendre. Puis s'il se développe bien, ce joueur-là, il va être très utile pour le Canadien, je pense que oui. Ah oui. Ben, j'en reviens sur ma parenthèse. Le Canadien de Montréal, si admettons, il ferait des acquisitions côté défenseur. Lorsque ces défenseurs vont être développés, ça va plus être des défenseurs, disons, de profondeur, dans le fond. Ouais. Ouais.
Ouais, parce que si chaque défenseur qu'on a repêché dans les dernières années se développe comme on les attend, tu sais, il y a des joueurs comme Harris, Jack Eye qui vont peut-être pouvoir partir pour des défenseurs de profondeur, mais des vétérans. Ouais. Puis aussi contre de la profondeur ailleurs. Parce que là, on a. Et mettons, moi, mon top 4, mettons, ça ressemblerait peut-être Rainbacker, Hudson, Goulet, Mayu. Ou inversement, ça dépend de comment on voit les choses. Ouais. Mais après ça, comme tu dis, des défenseurs de profondeur, là, j'ai pas de nom, là, mais mettons un vétéran, sa troisième paire avec. Un style de David Savard, là, mais. Ouais. Mais moi, il y a une chose, par exemple, que j'ai remarqué du côté du Canadien de Montréal, c'est que entre le repêchage 2023 et le repêchage 2022, j'ai trouvé que le repêchage 2023, c'est pas mal plus intéressant, le choix, parce que, oui, on l'a fait tomber sur Mitchkov, mais Montréal, ils ont été chercher un défenseur, le meilleur défenseur, un pilier défensif en David Rainbacker. C'est sûr que j'avais ri du Canadien de Montréal avec ça, mais honnêtement, si Rainbacker répond aux attentes, ça peut être un choix très intéressant. 2022, ouais. C'est quand même risqué. Pour Slafkovský, j'ai pas un bon pressentiment, à moins que je me trompe d'ici les années à venir. Peut-être Slafkovský peut me faire tromper, mais je pense, selon moi, le choix idéal que Montréal aurait dû sélectionner, ça aurait été Shane Wright. Mais on verra c'est quoi que l'avenir va nous dire. Peut-être que Shane Wright peut être un mauvais choix. Peut-être que le Canadien de Montréal vont se dire on aurait dû sélectionner Shane Wright. Ou peut-être qu'ils ont frappé un coup de circuit en Slafkovský. L'avenir va nous dire ça. Mais présentement, Montréal aurait dû sélectionner Wright. Là. Mais l'avenir va nous dire si le choix de Slafkovský peut être bon ou non. Ouais. Moi, en tout cas, je sais que sur le coup, quand le nom de Slafkovský a été annoncé, j'étais pas content. Ah ouais, sure. Mais non, moi, je me rappelle mot pour mot de ma réaction comme est-ce une équipe de merde qui s'est pas drafté? Est-ce que on a le premier show total puis on prend cette affaire-là? Tabarnak! Finalement, je me suis calmé. Après ça, j'étais comme. Okay. C'est pas un si mauvais choix. Là. C'est pas comme si on aurait drafté Coulet premier overall. Là. Pas que Coulet c'est un mauvais choix, mais selon moi, Coulet était pas dans la discussion pour le first overall choice. Non, mais. Ben, l'avenir du Canadien en défense est excellent, mais je pense que dans leur asset, là, il va falloir qu'ils en échangent pour aller chercher des joueurs à l'attaque. Parce que sinon, j'ai peur que ça fasse. Comme l'année que les Preds se sont rendus en finale, là. Tu sais, il y avait Ecombe, Ellis, puis Piqué Souban, c'est encore bon. C'était une équipe que la défense. Ouais, il y avait aussi. Ben oui. Il y avait aussi Yossi, tu sais. Ah, petite blague. Mais, tu sais, cette année-là, il était fort en défense. Sauf que, tu sais, t'avais Forsberg puis Johansson, that's it, là. Ça fait que, à un moment donné, il faut aussi. Tes défenseurs, c'est correct, mais ça prend des bons joueurs à l'attaque. Ou vraiment des lignes équilibrées. Puis effectivement. C'est là que je vois moins d'avenir aux Canadiens en ce moment. Là, ou plus de points d'interrogation. Là, dans le sens que, justement, Slafkovský va-tu devenir un joueur important? On ne le sait pas. Newhook, je pense que ça peut devenir un bon deuxième centre. Là, très rapide. Moi, je l'ai vu jouer avec l'Avalanche. Là, vous allez être surpris. Là, il patine en sacrifice, ce joueur-là. Là. Il va aider avec le Canadien parce qu'il va pouvoir prendre un rôle plus important qu'avec l'Avalanche. Mm-hmm. Sauf qu'il leur manque un vrai joueur d'impact. Là, parce que Suzuki est très fiable, il va l'être longtemps, mais je pense pas qu'il fasse des saisons de 70 points tout le temps. Là, fait que, non, c'est sûr. Là. Puis même si j'adore Caulfield. Je sais pas, là, ça reste à voir, encore une fois, c'est un point d'interrogation, est-ce que ça va devenir un scoreur de 40, 45, 50 buts, ou il va marquer 30, 35 buts, ce qui est très bon, mais
un joueur, ça peut pas être ton meilleur joueur. Non, ouais, c'est sûr. Puis c'est un sniper, tu sais, c'est un gars qui te met des buts. Là, je dis pas qu'ils sont pareils, là, mais tu sais, un peu ce que Kessel remplissait dans les équipes, c'est-à-dire c'est un joueur qui te la met dedans, mais mm-hmm. tu peux pas bâtir. Il faut que tu entoures des gars comme ça parce que ouais, bon, leur job, Kessel, c'est quand ouais. rondelle, ils en mettent dedans, mais dans le reste, dans la fabrication de jeu, dans le reste, c'est pas eux autres qui vont nécessairement monter à POC puis fabriquer le setup qui mène à un but. Par contre, tu leur passes la POC. Puis Caulfield, il a un talent fou, là, il va en mettre dedans, sauf qu'il faut qu'il soit appuyé, là, ça c'est sûr. Dans le fond, Montréal aurait besoin d'un fabricant de jeux, dans le fond. Je pense que oui. Bon, c'est on va aller chercher Drouin au Colorado. Ah, lui, il va avoir de la pression à Montréal, lui. Il a juste signé un an, là. Je pense pas qu'il revienne, là, mais on fait des blagues, là, mais bon, oui. on verra. Mais tu sais, justement, avec les bons défenseurs qu'ils ont, et mm-hmm. un bon défenseur, il y a des équipes qui vont vouloir avoir ça. Là. Donc là, il y aurait c'est peut-être bien. Des bonnes monnaies d'échange pour aller chercher des joueurs là, pour améliorer leur attaque. Puis, exactement. Je pense qu'il y a quand même un avenir pas pire pour le Canadien. Pas dans les. Je dis pas dans les deux prochaines années, là, mais. Tu sais, dans 3-4 ans, ça pourrait être une équipe qui compétitionne à tabarouette, là, s'ils jouent bien leur bien. Puis je trouve que avoir vu les DG du Canadien puis les coachs qui se sont succédés depuis leur dernière Coupe Stanley, là, je trouve que c'est le groupe de direction qui me semble le plus solide qu'ils ont eu. Ouais. Même si j'étais un peu surpris de la sélection de Martin Saint-Louis, là, il m'a tellement fait mentir avec la façon qu'il gère ça puis sa maturité. Ouais. Puis, non, c'est que... On dirait que là, ils ont un plan, puis même si des fois, on comprend pas leur move, ben, ils semblent quand même s'en aller vers quelque chose là qui veulent bâtir, puis qui a du sens, ce ne sont pas au hasard. Vous n'avez pas connu, il l'appelait Pinot, là, Réjean Houle. Ben, j'ai connu les moves qu'il a fait, il faisait des échanges de... Ah, c'était épouvantable, là. Canadien, ça a pris du temps avant de se remettre de Réjean Houle et Bob Gainey. Là. T'as été content la journée quand Patrick Roy a été échangé au Colorado? Hey, tellement, là. Puis, puis honnêtement, le Colorado gagnait-tu la Coupe sans Patrick Roy? Non. Non. Mais c'est sûr qu'il y avait tout un team. Là. Il y avait Sakic, il y avait Forsberg. Tu sais, il y avait une grestie d'équipe, mais Patrick Roy, c'est... Écoute... c'est un gardien exceptionnel, là. C'est rare des gardiens comme ça, là. Ça fait que. Ouais, puis justement, là. C'était Réjean Houle, là, qui était là pendant que Patrick Roy s'est fait échanger. Puis c'était à cause d'une chicane avec Mario Tremblay, là. Oui, parce que, oui, il s'avait fait scorer. Il s'avait fait scorer. Oh, puis il voulait se faire changer de goal, je pense, quelque chose de même. Ouais. Mario Tremblay, il l'avait même pas changé. Quelque chose de même. Non, c'est vrai. C'était genre une c'était contre les Red Wings, ils avaient perdu, mettons, 10-1, là, je ne me rappelle plus le score exact. Là. Mais tu sais, après le but, il ne changeait pas. Fait que, c'est ça. Quand c'est pas ta soirée, il faut que le coach te change. Mais c'était une histoire de. Mario Tremblay, il voulait s'installer comme coach. C'est un ancien joueur, c'est pas nécessairement un coach. Mais Patrick Roy, il emmenait large. Là. Il avait gagné 2 coupes cette année. C'était normal qu'il avait un statut un peu de décideur, entre guillemets, là, tu sais. Et tu ne pouvais pas commencer à brasser Patrick Roy et dire quoi faire. Là, il avait amené 2 Coupes Stanley à Montréal. Là, il avait un statut spécial, puis Mario Tremblay ne le prenait pas parce que petit trip d'ego. Là, puis écoute, le Canadien, c'est même pas remis de ça à quelque part. Là, non. La dernière Coupe Stanley, c'est 93. Là, ça fait que. C'est ça. C'était pas Mario Tremblay qui était coach, c'était Jacques Demers, dans le fond. Oui, c'est Jacques Demers, mais Mario Tremblay est arrivé. Quand Patrick Roy. Non, ok, je comprends. La dernière Coupe Stanley, c'est Jacques Demers, ça c'est certain. Là. Mais quand Patrick Roy a été échangé, c'était Mario Tremblay. C'est ça. Mais je pense que Jacques Demers, il avait-tu eu un arrêt cardiaque, je ne sais pas, en 94? Non, mais là, je sais qu'il y a eu un ACV, là. On le voyait à RDS. Oui. Là, il est mal en point. Je sais qu'il est encore vivant, là, mais. Mm-hmm. En 94, je ne sais pas honnêtement s'il y avait eu des problèmes de santé. Oui, parce que tu sais qu'il y a
me semble que c'était jusqu'en 1994 qu'il avait coaché le Canadien, Jacques Demers, puis après ça, ça avait été Mario Tremblay. Ouais. Ouais, pourquoi ils ont switché de Jacques Demers à Mario Tremblay, je ne m'en rappelle plus. OK, ouais, oui. C'est ça que je comprends pas. Ouais. Mais, écoute. Mais c'est sûr que, avec le recul, échanger Patrick Roy, c'était pas un bon move, là. Non, retour, là. Non, c'est surtout ce qu'on reçoit. C'est André Rasco, là, Red Light. Là, qui... Je sais qu'il y avait aussi eu Jocelyn Thibault. Ouais, Ouais, c'est ça, excuse-moi, pour André Rasco, il n'y a pas rapport dans Trade. Ouais, c'est ça, c'est Jocelyn Thibault. Je sais qu'il y avait reçu trois joueurs. Il y avait reçu Jocelyn Thibault. Ruchinski. Puis André Kovalenko. Kovalenko, Ruchinski, puis Thibault. C'est combien sur ces trois-là, il y en a vraiment aucun qui a eu un impact significatif. Là. Non. Pas de ma connaissance. Je n'étais pas en vie pendant cette période-là. Là. Mais connaissance. Ouais. Ben, Ruchinski, il a raté une couple d'années. Il était relativement utile, mais c'était pas un joueur de premier trio. Là. C'était juste correct. Mais Kovalenko, ça a floppé. Puis Jocelyn Thibault, il n'a jamais été le gardien qu'on pensait qu'il pourrait être. Là. Puis, aurais-tu imaginé une chose que si Québec n'aurait pas déménagé puis que le Canadien aurait échangé Patrick Roy au Nordique? Les fans du Canada de Montréal n'auraient pas aimé Patrick Roy. Ça aurait été là, c'était un maudit drive. Mais je pense pas que ça aurait pu arriver parce que justement, c'était leurs rivaux de division, mais c'était les rivaux émotionnels du Québec. Là. Tu ne peux pas donner un joueur d'impact comme ça. En le changeant au Colorado, c'est dans l'Ouest, c'est loin, c'était correct, là, mais au Nordique, non. Non, c'est sûr. Mais oui, ça aurait fait. Ça aurait fait ça. C'est quoi avec les Nordiques? Ouais. Mais là. Tu sais, on l'haïssait, Patrick Roy, là. Ça aurait fait bizarre, là, tu sais, parce qu'il nous faisait... Écoute, il nous gaulait. Les Nordiques, il était dur à scorer. C'est que le Canadien gagnait avec Patrick Roy, c'est qu'il gagnait des matchs contre les Nordiques aussi. Ça fait que ça aurait été bizarre, là, de revoir Patrick Roy, là. Fait que... Tu sais pas, en allant... Au Colorado, ça changeait un peu la dynamique de ça, là. Ça fait que, j'ai appris à l'aimer plus. Ben, tu sais... Je savais que c'était un bon gardien, là, mais j'ai appris à l'aimer avec le Colorado parce que c'est un des plus grands de l'histoire, puis il va rester dans les livres des records longtemps, je pense. Yes. Dernière question, qui tu donnes la Coupe Stanley en 2024? La fameuse question. Ouais. La plus dure. Je voudrais savoir une autre dernière petite question après. Ben, honnêtement, je vais y aller avec le Colorado. Moi, je crois à mon équipe. c'est tout. Mais, tu sais, puis c'est pas. L'année passée, je disais ça aussi, j'étais moins sûr, mais là, cette année, je trouve que ça s'annonce bien. Là, ils ont été chercher de la profondeur. Surtout si Landeskog est prêt pour les séries, là. Ça vient mettre comme le petit élément qui manque juste un petit peu, puis moi, je crois. Puis, tu sais, il y a juste la première interrogation de Georgiev, il est bon, mais il faut qu'il devienne, une coche de plus, je pense, là, pour aider son équipe. Mais moi, j'ai confiance. OK. Ouais, moi, je vais y aller avec les Oilers d'Edmonton. Je suis confiant pour mon équipe. Parce que moi, je pense qu'Edmonton, oui, ont connu une déception contre les Golden Knights. Ça a été l'équipe qui a donné le plus de fil à retordre contre les Golden Knights. Puis on le voit que du côté d'Edmonton, on voit que McDavid, il travaille fort, il veut avoir sa Coupe Stanley. Il la mériterait pour vrai sa Coupe. Puis sincèrement, je pense qu'Edmonton vont devenir dangereux en série. Je pense que... Selon moi, on va avoir un duel Colorado-Edmonton en finale de l'Ouest. Parce que je pense que Colorado va être dominant en série, mais je pense que leurs séries vont s'arrêter contre Edmonton cette fois-ci. Parce que Edmonton vont devenir très dangereux. Ils vont devenir très forts offensivement.
Puis je pense qu'une équipe canadienne qui gagnerait une Coupe Stanley, ça ferait pas de tort. Parce que la dernière équipe canadienne qui a remporté la Coupe, c'était en 1993. Puis c'était le Canadien de Montréal. Fait que c'est pour ça. Je vais même dire l'adversaire qui Edmonton affronterait, selon moi, je pense que ça va être les Rangers de New York. Oh. Je pense, moi, je prédis une finale Oilers-Rangers. Ça serait Oilers, bon. Ça serait bon. Ça serait une estime bonne finale aussi. Une très bonne série. Ben oui. Puis, comme je te dis, comme je l'ai dit tantôt, là, c'est pas. Les Oilers ont des bonnes chances. Là. Je suis d'accord avec toi. Puis ça va être peut-être la vraie finale, ça va peut-être être Colorado Oilers, peut-être, là, quelque part. Oui. Comme j'ai dit tantôt, ça serait le fun. Une finale de l'Ouest, Edmonton-Colorado, j'adorerais ça, par exemple. C'est plat que ça finit en 4 en 2022. Mais c'était vraiment une finale de conférence intéressante, pour vrai. Ouais. Exact. Toi, Mathieu? Bon, moi, pour ma prédiction, vous deux, vous avez dit votre équipe. Moi, je peux pas dire mon équipe pour gagner la coupe parce que mon ben équipe. Ben là, Canada ont gagné dans son équipe. C'est ça. Ça sent la coupe. Ouais. En trois victoires de plus, ça sent la coupe. Ouais. Avec mon tambour, là. Ouais. Non, sérieux, là. Ouais. Je lance ça dans l'univers. Les Stars de Dallas. Oui, c'est possible, par exemple, les Stars. Les dans les dernières séries, ils ont perdu contre qui déjà? Vegas. Ouais, Vegas, c'est ça. Vegas, c'était l'équipe qui tenait dans les dernières séries qui était comme inarrêtable. Ouais. Selon moi, Vegas en ont perdu un petit peu, veut pas. Mm-hmm. Mais. Je pense que les Stars ont des très bonnes chances. Leurs meilleurs joueurs sont très jeunes. Je pense qu'ils vont s'améliorer, en particulier Oettinger. J'ai pas été très satisfait de ses performances dans la dernière série. OK. Ouais, mais en particulier, je pense que c'était contre le Kraken, ça se fait-tu? Je me souviens un peu mélangé, il me semble, en tout cas. Robertson, un excellent joueur. Ils ont je pense qu'ils ont signé Matt Duchene maintenant. Oui, ils ont signé Matt Duchene. Ouais. C'est ça. Inns, Robertson, Iskanen, Oettinger. Je pense qu'ils ont le corps pour se rendre loin. Je pense qu'il faut seulement de la progression, puis que les vétérans soient en face plus, comme Ben, Seguin, Pavelski. Est-ce encore là, Pavelski? Je pense que oui. Oui, ben oui. Il y a eu l'année passée, en plus. Ouais. Mais c'est vrai, par exemple, que les Stars gagneraient la Coupe, Pavelski mériterait sa Coupe. Ouais. Ça, par exemple, ça, je suis d'accord avec toi, par exemple. Ouais, ça, c'est un joueur que j'aimerais qu'il gagne la Coupe. Là. Ah oui, il mériterait sa Coupe. Même si je ne suis pas un grand fan de Jamie Benn, je trouve que c'est un joueur qui mérite la Coupe Stanley. Parce que, je ne sais pas si vous aviez vu dans ce temps-là les images dans le vestiaire des Stars, en 2020, après la défaite contre le Lightning. Oui, Jamie Benn. On voit Jamie Benn tout seul à travers la pile d'équipements assis sur son banc, tout seul, la face dans les mains. Oui, il était déçu. Ouais, moi j'avais de la peine pour lui, même si c'est un joueur que j'aime pas, je l'aimais encore moins dans ce temps-là. Ouais. Mais je sais pas, je me dis, ça fait de la peine, c'est un bon joueur. Hein. C'est un bon capitaine pour les Stars de Dallas. Même si je trouve peut-être des fois son leadership pourrait être mieux, je trouve quand même que c'est un bon choix des capitaines. Mm-hmm. Ben, je vais être honnête avec vous, les gars. Moi, étant la place d'un joueur, oui, c'est vrai qu'il commence à être un peu en fin de carrière, que sa carrière pourrait peut-être prendre fin d'ici quelques années, il reste pas beaucoup d'années. Mais moi, étant à la place de ce joueur-là, je serais patient pendant quelques années, puis ce serait Brent Burns. Parce que les Hurricanes, ils ont des atouts pour remporter une Coupe Stanley les années à venir. Puis Brent Burns, même s'il était avec les Sharks, qui s'est fait échanger aux Hurricanes, ses chances de remporter la Coupe Stanley, ils ont comme grandi.
parce que les Sharks n'avaient aucune chance, là, surtout avec la reconstruction qu'on a connue. Et Hurricanes, c'est une équipe qui sont contenders pour remporter la Coupe. Puis honnêtement, les chances de Brent Burns a comme agrandi, puis il y a des excellentes chances de remporter une Coupe Stanley. Je pense pas pour Stanley, mais d'ici les années à venir, c'est très possible. C'est ça que je me dis du côté de Brent Burns. Étant Brent Burns, je serais patient un peu. Ouais. J'attendrai quelques années pour avoir une chance de remporter la Coupe. Même si son contrat se termine, je le ferais signer à contrat recru comme genre 775 000. Juste pour tout faire pour lui donner la Coupe Stanley, pour surtout qu'il a remporté la Coupe, ben là, prendra sa retraite s'il veut. Hein. Oh oui. Donc, oui. Ouais. En tout cas, c'est sûr que je suis d'accord avec. Je suis d'accord avec vous deux que les Stars vont être une équipe tannante. Là. C'est ouais. Vraiment une bonne équipe de hockey. Puis les Hurricanes, l'année passée, il leur manquait peut-être un petit punch à l'attaque, là, mais sinon, c'est une équipe tellement complète là, que. Ils vont être encore compétitifs cette année aussi. Oh, là, puis, oh, ça devrait donner des séries intéressantes. Ouais. Finalement, j'avais deux petites questions. Ouais. Est-ce que vous pensez que les Blue Jackets vont faire un retour en série cette année, en 2024? Non. Non? Non. Non. Selon moi, c'est un gros nom très, très catégorique. Même si ils ont eu des blessures en masse l'année passée, puis que on peut dire que l'arrivée de certains joueurs comme Fentilly, s'il fait le club cette saison, peut les améliorer, vont les améliorer. Je ne pense pas qu'ils sont améliorés assez pour faire les séries, surtout qu'ils sont dans la division la plus serrée, pas mal, là, à part l'Atlantique, là, la métropolitaine avec... les Pingouins, les Hurricanes, les Rangers. Les Devils aussi. Les Devils. Je ne pense pas. Je pense ils vont peut-être finir avant certaines équipes dans la division comme les Flyers, les Islanders. Mais je ne vois pas en série. OK. Moi, je vais vous surprendre. Moi, je pense qu'ils vont les faire. Oh, ouais. Mais selon moi, ils vont les faire sur la peau des fils. Là. Comme ils font sur Maxime. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'ils vont les faire serrés, mais ils vont perdre en première ronde. Surtout si Fantilli, il connaît des excellentes saisons. Je pense que l'organisation peut être très intéressante. Peut-être qu'ils peuvent faire les séries très serrées. Sinon, s'il y a beaucoup trop de blessés, je pense pas qu'ils vont retourner en série. Ça laisse à désirer. Mais si l'équipe reste en santé, puis que Fantilli connaît une excellente saison puis qu'il répond aux attentes, il y a des bonnes chances qu'il retourne en série. Puis l'autre question, vu que les Golden Knights de Vegas ont remporté la Coupe, je l'avais posé dans l'autre question, est-ce que vous pensez que les Golden Knights... qu'est-ce que vous pensez de l'avenir des Golden Knights? Quel avenir que les Golden Knights réservent selon vous, là, en fond? Tu veux t'y aller, Adam? Ouais, je peux bien donner mon avis. T'sais. Là, je vais essayer de pas que ma haine envers les Golden Knights transfère pas trop parce que. Hey, non! Bienvenue dans le club! Puis c'est pas, je l'ai dit, c'est pas les joueurs. J'étais bien content que Marchessault gagne la coupe. Puis, il y a des bons joueurs de hockey dans cette équipe-là, c'est pas ça. C'est juste la façon qu'ils ont rentré. Ils ont tellement été avantagés. Et moi, j'ai vu l'entrée des Sharks en Ligue nationale, de Columbus, des Lightning, des Panthers. Ils ont tous eu des années de misère au début parce que dans le temps, c'était pas tout avantageux. Là. Tu te ramassais avec les agents libres puis les joueurs que personne ne voulait, puis tu avais des années de misère. Fait que, tu sais, des équipes qui n'ont pas encore gagné la Coupe Stanley, puis c'est des expansions relativement récentes. T'sais. Fait que c'est ça que j'ai pas aimé. Mais sinon, écoute, je pense que les Golden Knights sont à pas grand-chose de.
peut-être pas dans 2-3 ans, mais qui tombent, ils vont tomber comme un château de cartes parce que ils ont mis. Ils ont bâti une équipe pour gagner la coupe. Puis après ça, le mec qui re-signe des joueurs, puis qu'il y en a qui veulent plus, puis ils vont faire une coupe de mauvais contrats. Puis là, ils n'ont pas connu ça, là, avoir des jeunes que tu ne sais pas s'ils vont. Tu ne sais pas s'ils vont se développer ou avoir des vieux, tu ne sais pas s'ils vont t'en donner encore, ce que toutes les équipes ont, puis comment ils vont gérer ça, puis aussi comment que la foule va réagir. Là, c'est un spectacle, ils sont toujours quand même compétitifs, puis il y a bien du flafla, mais une équipe en reconstruction à Vegas, ça va-tu attirer bien du monde, puis ça va-tu être encore le fun de jouer là? Moi, je pense qu'ils ont peut-être encore 2 ans où ils vont quand même donner un bon show, mais mec, ça s'écroule. Ça va être longtemps à Vegas. Voilà. Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, la seule raison pour laquelle je suis content que Vegas gagne la coupe, c'est Nicolas Roy, parce qu'il vient de chez nous. Comme j'étais encore à Amos dans ce temps-là, c'était j'ai pu aller voir la parade de la Coupe Stanley. J'ai pu prendre la photo avec Nicolas Roy puis la coupe. Ça, c'est un super cool. De beau souvenir. Comme Dom a dit, la façon dont ils sont entrés, puis les DG ne savaient pas nécessairement comment gérer un repêchage d'expansion, parce que pour la plupart des DG, c'était la première fois. Ils ont, comme les Panthers qui donnent Riley Smith pour qu'ils prennent Marchessault, les Ducks qui donnent chez Theodore. Selon moi, c'est ce que je dis depuis des années de Vegas. Une équipe en reconstruction ne peut pas se permettre de faire des flaps même là, avant les matchs. Enfin, non. À Vegas, là, on s'entend, c'est une ville où il y a plusieurs autres équipes de sport. Il y en a juste une autre, c'est les Raiders. Mais il y a quand même du divertissement en masse juste sur la strip, là, la vue principale, là, les casinos, les clubs. Le monde, ils vont trouver autre chose à faire là, quand les Golden Knights vont être bons là, dans quelques années. Le meilleur joueur, là, c'est, mettons, à part Jack Eichel, puis Jack Eichel ne peut pas traîner un club sous son dos. Là, non. Sinon, il serait pas parti de Buffalo. Il aurait fait avec. Mais, il y a Logan Thompson. Aussi, qui est jeune. Hein? Ouais. Mais non, je me demande si ton avenir va être prometteur, par exemple, avec ses blessures. Ouais. Puis, surtout avec Adenil qui a fait de la job. C'est un gros point d'interrogation pour Logan Thompson. Même si je les aime pas, j'espère pour Vegas que Logan Thompson va devenir un bon gardien, parce que Aiden Hill, je ne sais pas il y a quel âge, mais c'est pas le plus jeune non plus des gardiens. Il y a 27. Il y a 27 ans. Ils sont quand même pas super. Mais pareil, c'est pas un gardien comme Aiden Hill qui va te sauver, mais que Mark Stone ait 38-39 ans, puis que Jack Eichel soit le seul à sauver le bateau. Là, Martinez, c'est pas le plus jeune. Pietrangelo non plus. McNabb, la retraite, c'est pour bientôt. Ce club-là va couler, il y en a quand que. Oh, ouais. Ils ont tous les joueurs qui ont drafté, à l'exception d'une coupelle, là, mettons, d'une poignée, là, ils ont tous trade. Là. Je pense que les autres qui avaient draft Brandstrom, Suzuki, les noms m'échappent, le Krebs. Pour moi, tu regardes. Ils se sont débarrassés de deux gens pour booster une équipe. Je voulais juste dire que pour moi, tu regardes le club école de Vegas, puis ça casse rien. Là. Non, c'est ça. Ça fait le dur. Je vais y aller. Je vais essayer de pas trop être sur Vegas. parce que j'ai une haine envers Vegas. Mais je vais essayer de pas trop hate ça. Okay. Moi, qu'est-ce que je pense des Golden Knights de Vegas? Moi, je pense que ils vont faire les séries en 2024, mais ils vont devenir des first round exits.
Ça va être comme un peu les Blues puis les Capitals. Ouais. Après ça, je suis effectivement d'accord avec vous. Quand Vegas, ça va tomber comme un jeu de cartes. Puis ça, honnêtement, ça va faire mon bonheur. je vais être le premier à être content. Je vais être content. Parce que ouais. Vegas, la manière comment ils ont remporté la Coupe Stanley, c'est pas une manière très méritée. Là. Puis côté Coupe Stanley non méritée, je veux dire, Vegas, ça va être très difficile à battre parce que la manière comment ils ont remporté la Coupe Stanley, cette équipe-là, ils ont eu tout qu'une albec. Ils ont été chouchoutés. Je ne rentrerai pas plus dans les détails, mais cette équipe-là, ils ont eu tout qu'une albec, ils ont été chouchoutés. Puis la première année, quand ils ont fait la finale de la Coupe Stanley en 2018, je peux comprendre que ça, c'était vraiment une année exceptionnelle, puis ça aurait été le fun de les voir gagner la Coupe. Mais j'aimais Washington dans le temps. Mais c'est que les Golden Knights de Vegas, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y avait des jeunes, puis ça aurait pu foirer leur plan, mais ils ont quand même réussi. Ils se sont débarrassés de leurs jeunes pour se booster une équipe, puis aller chercher des vétérans. Ils n'ont pas connu c'est quoi avoir une reconstruction. Ils n'ont pas connu c'est quoi avoir un développement. Ils n'ont pas su c'est quoi être dans le bas fond. Puis comme Dom dit, les autres équipes, quand ils sont arrivés en expansion, ces équipes-là, ils ont su c'est quoi avoir de la misère. Ils ont su c'est quoi rocheux. Ils ont su c'est quoi connaître des reconstructions puis connaître des déceptions. Puis oui, il y en a qui ont remporté la Coupe Stanley, dont le Lightning de Tampa Bay. Mais Vegas, eux, ils n'ont rien connu de ça. Ils ont arrivé dans la Ligue nationale de hockey. La première année, ils ont fait la finale de la Coupe Stanley. Deuxième année, ils ont perdu en première ronde. Troisième année, ils ont perdu en finale de l'Ouest. Quatrième année, ils ont perdu en finale de l'Ouest. Cinquième année, ils ont manqué les séries, mais ça pour des fesses. Sixième année, ils ont gagné la Coupe. Cette équipe-là, ils n'ont pas su c'est quoi avoir de la misère. Puis c'est pour ça que, selon moi, comme j'ai dit tantôt, les Golden Knights de Vegas, quand ils ont remporté la Coupe Stanley, j'étais tellement en tabarnak parce que j'ai trouvé que cette organisation-là n'ont pas mérité de remporter la Coupe Stanley comparé au Colorado qui, eux, même s'ils ont sorti les Oilers d'Edmonton, qui ont balayé mes Oilers d'Edmonton en finale de l'Ouest, ils ont mérité leur Coupe Stanley parce qu'ils ont su c'est quoi avoir de la misère puis bâtir une équipe autour de leur jeune. Fait que c'est pour ça que j'ai trouvé que Vegas, ça m'a comme mis un peu plus en crise quand ils ont sorti Edmonton et qu'ils ont remporté la Coupe Stanley que Colorado. Je comprends. Ben oui. Bon, dernier mot, fuck Vegas. Je suis d'accord avec toi. On ne dira jamais assez. Ouais, c'est ça. Hey, ça fait 2h07 qu'on fait ce live-là, c'était le fun. Moi, faut que j'y aille, là, je vais chercher mon fils à sa job, là, mais écoute, on reprendra ça, là, c'était vraiment cool, là, puis c'était cool les questions que vous aviez pour moi, puis j'ai pu parler de mon avalanche, puis du hockey en général, très le fun, les gars. En plus, ça tombe bien, c'est la fin de l'épisode, puis dans tous les épisodes du podcast, le match ultime, c'est cet épisode-là qui est le plus long, dans le fond. Oh! Ouais. Non, mais c'est... Parce que l'épisode le plus long, c'était le tout premier. Avec Boy Blue. Là, c'est rendu celui-là. Là. C'est bon. On est d'accord avec ça. Ciao, Dom. Là. Ouais, salut, oui. Mathieu. Salut, John. C'est bien cool. Salut, à la prochaine. Là. Hey, en tout cas, très bel épisode, intéressant pour Dom aussi. J'ai vraiment adoré parler avec lui. Il connaît vraiment son hockey. Ouais, c'est un des meilleurs épisodes que j'ai fait là, avec lui. Hein. Surtout avec lui, c'est un des meilleurs. Puis en plus qu'on a battu le record avec le match ultime. La durée de temps, 2 heures. Fait que c'est vraiment très intéressant. Ça passe vite. Ah oui, ça passe vite pour vrai. Fait que c'est ça. La semaine prochaine, on va recevoir Tony Starr.
comme invité. Un fan des Stars de Dallas. Honnêtement, ça va être très intéressant. Honnêtement, possible chance aussi qu'il pourrait peut-être être chroniqueur. On verra c'est quoi que ça va être. S'il est très intéressant côté émission, côté prochain invité, excuse-moi. Mais honnêtement, ça se pourrait peut-être aussi qu'il soit chroniqueur. On verra c'est quoi que ça va être. Fait que sur ce, ciao les boys. Oh, à la prochaine.